pendant les vacances. Ça va bien, bonnes vacances à ceux qui le sont. Merci. Voilà, stop. En tout cas, bienvenue aujourd'hui dans le Best-of. Vous le savez, c'est, nous avons pris l'habitude au mois de juin. Chaque mois de juin, par exemple, il y a le Best-of de la méthode Coé. Eh bien là, pour fêter dignement la fin de l'année, nous avons décidé de vous mettre les meilleurs moments. Bon, certainement également nos plus belles conneries, nos plus belles séquences, nos plus beaux moments d'amour, nos plus beaux bisous. Cécile s'est beaucoup fait embrasser. Hey mauvais... Ça va. Ouais. Ça va bien. Ça va. J'étais en train d'expliquer le Best-of. Donc, dans l'émission, vous allez voir tous les bons moments, notamment le meilleur de Robbie Williams, le meilleur de Will Smith, de tous nos invités. Ouais. Qu'est-ce que vous faites habillé comme ça hein? Moi, prends le message. Ouais. Moi, je joue à la touffe. C'était... Okay. Hey! Non, je ne sais pas. Mais beaucoup à joyeux Noël. Non. C'est super. Vite. C'était il y a une semaine. Non. C'est pas Noël qu'il faut dire, c'est bonne année, la santé, l'alhamdoulilah, ouais, comme on dit. C'est super. C'est bien, c'est dans deux jours. C'est dans deux jours. Oui, c'est pas mal. On est en retard et en avance. Voilà, on est entre les deux, quoi. Attends, deux jours, c'est la nouvelle année. Joyeux Noël de fin d'année, de bonne santé. Laisse tomber. Les moments les plus sexes, les moments les plus déconnants, les moments de n'importe quoi. Merci. De Franck Dubosc à Michael Youn, en passant donc par Robbie Williams, jusqu'au moment peut-être donc les plus sexy en fin d'émission. Vous verrez tout ce soir dans le Best-of de septembre à maintenant, avec des moments inoubliables. Vous n'êtes pas couché, restez avec nous. Bravo, bravo. Rien à voir, bravo. Ah, je sens que tu vas me faire le con, hein. Vincent Desagna, vous aviez fait un concours. Là, c'est là que je vais rigoler. À trois, avec Benjamin, Vincent et toi, de mangeage d'objets. Alors, Il paraîtrait que tu aurais mangé une petite cuillère. Tu crois franchement que j'ai avalé une cuillère? Comment est-ce que tu veux que j'avale une cuillère? Je pense que Cécile, oui. Cécile. Je pense que oui. Tu vois pas qui s'est foutu de toi? Cécile, une cuillère, même une cuillère à café. Ce que vous n'imaginez pas, c'est que Cécile est venue me voir juste avant en disant « J'ai une anecdote sur Michael. » Alors là... Celle-là, elle est... T'avais même prévu la chute, t'avais dit après la cuillère, qu'est-ce que t'en as fait? Pas du tout. Hein, non, Charlotte au chocolat. Y en a une autre? Non, mais j'ai eu Benjamin qui m'a dit aussi que des conneries. T'as pas raconté que j'avais fait de la prison en Bulgarie, lui? Non, pas du tout. Il a dit que tu étais champion de badminton. Que tu courais le 100 mètres en 11 secondes. Ça, c'est vrai. Que tu avais un pote de plus de 7 mètres. Tu sais quoi, j'ai une anecdote sur Michael, il a un copain, il fait 7 mètres. Ouais, je te le jure. Non, je vais le dire revanche, à Coé. En revanche, que je cours le 100 mètres en moins de 11 secondes, c'est vrai. Top. Attention, donc Michael. Michael est parti. Michael, qu'est-ce qui se passe à la loge? On ne sait pas où il va. Mais où il va? Mais où t'es parti, Michael? Mais où tu vas? Non, c'est pas le bon plateau. Mais où tu vas? Mais où tu... Michael, mais où tu vas? Ça n'est pas par là, Michael, non. Tu vas sortir, Michael, remettez l'image de Michael. Attention, il arrive. Michael, revient. Ça ne sait pas où tu es, Michael. Je vois des lumières, tu reviens. Nous avons fait... Oh, sérieux. Non. J'ai perdu. Non, je veux pas te faire du mal. Je pense que tu as fait un bon 32 secondes, là. Hein. Mais je pense que tu as perdu du temps sur la voiture rouge. Regarde maintenant, c'est la regarde.
Chemise bichrome. Tu sais quoi? C'est la chemise bigoude Malabar. Quoi, Benjamin m'aurait menti? Tu sais, je pense que c'est le petit mot de charge que tu as pris qui t'a fait perdre un petit peu de temps, Michael. Attends, attends, laisse-moi t'éponger, t'es dans des états, toi. Je te jure, regarde dans quel état tu te mets. Ne bouge pas. Oh non! Ça a servi à quoi? Qu'est-ce que ça fait? Non, mais non. Oksana! C'est la disparition. Alors, tu comptes, hein? 3. Regardez bien. 2. 1. Ouais! Mais incroyable! Mais comment fais-tu ça? Oui, c'est lourd, hein. Je sais, c'est très très lourd. C'est le problème, c'est que c'est très lourd. Ça va, ça va, ça s'est bien passé ce tour de magie. Est-ce que dans le film, il y a des avions qui se posent, mais qui redécollent tout de suite? J'adore cette question. J'aime bien les avions qui redécollent. Il y en a, il y en a, il y en a beaucoup même. T'es sûr qu'il y en a? Ah, il y en a une dizaine au moins, même plus que ça. Ils se posent pas, ils arrivent. Ils repartent d'un coup. Ils se posent pas, ils ont pas le temps de se poser. Ils arrivent, on passe ça. Ils arrivent, ils repartent d'un coup. Ils se posent pas, parce que s'ils se posent, ils peuvent pas repartir. Et là, ils repartent d'un coup, alors il y en a. Au secours. Une autre question, Régis? J'en ai plus. Mais je me suis fait très mal à la main. Il est très content. Il a essayé, il est content. Sinon, tu viens souvent dans cette discothèque? Oui, oui. Très souvent. J'adore la musique. Je l'ai jamais vu. Parce que j'osais pas t'inviter à danser. J'adore la musique du disque jockey. T'oses pas me regarder, t'es timide, hein? Vaut mieux pas. Tu peux me regarder, c'est vous qui voyez, hein? Tu me... 1, 2, 3, 4. Wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on the scene, like a sex machine. You got to have the feeling, shoot your bone. Get it together, right on, right on. Get up, get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Je t'ai lancé. You should never, écoute, ever do that again. Ne refais jamais ça, jamais. Okay. Compris? I don't care if somebody gives you money. Ça m'est égal que les gens te payent. I don't care if jamais. Pulls a gun. Même si quelqu'un te pointe un fusil sur la tempe, non, jamais. Visiblement, tu étais reporter en 1995. Voilà, et un jour tu pars à la Baule. En Angleterre, j'étais reporter en Angleterre, sur Channel 4. Ouais, et un jour, donc tu viens à la Baule faire un reportage, tu t'assieds sur la plage, et là, tu te rends compte, sans le savoir, tu emmènes avec toi une petite particularité, c'est des morpions. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le KGB, celle-là. J'ai ramené avec moi des morpions. Attends, il y en a qui vont au Vietnam ou ailleurs, moi je vais à la Baule pour amener des morpions. Mais, non, non, oui. J'étais j'étais à la Baule, j'étais en vacances, en week-end, sur la plage, effectivement, j'avais vu une petite bête comme ça sur mon truc. Et c'était pas par rapport sexuel, parce que j'avais pas eu de rapport sexuel tu depuis trois semaines à ce moment-là. Je me souviens parce que ça marque. Ouais. Et puis tout à coup, j'ai vu cette bête et je l'ai poussée. Puis j'ai pu penser. Le lendemain, je suis parti en Russie. Et là, je vais dans des toilettes, on s'arrête sur le bord de la route. Et puis je regarde, et là, qu'est-ce que je vois? J'avais des passagers clandestins.
des petits accrochés en train de faire de la Tarzan C'est vraiment accroché à la base des poils. C'est accroché à la base et tu les vois, ça ressemble à une petite cendre. Tu vois, ceux qui ont vécu ce moment me comprennent. Et ça gratte terriblement. Et t'as beau les enlever, ça repousse, ça fait des petits, ça fait des œufs. Ah, c'est un poulailler. Tu sais, c'est le. Je vous jure. Et alors, et donc, mais je suis dans. Et là, j'arrive en Russie. Mais déjà, j'avais un peu honte d'aller demander à quelqu'un, est-ce que vous avez quelque chose contre les morpions? Les poux de corps, on dit. Oui, c'est ça. Mais poux de corps en russe, je ne sais pas le dire. Donc, je dis, comment je vais faire? Pas de pharmacie, rien. Et tout à coup, j'ai une idée géniale. Et je me dis, ce sont des insectes. Donc, je vais aller acheter de l'insecticide dans un supermarché. Oh non! T'as pas fait ça! T'as pas fait ça! Parce que je vais reconnaître, c'était tout écrit en russe, mais un insecte, ça se reconnaît, le petit insecte sur le. Et donc, je vois ça, un gros machin genre. Genre ça! T'as tout prévu, toi. Et là, et le soir, je dormais dans un dortoir de travailleurs soviétiques, et il y avait des toilettes avec ça, on voit en bas. Il y avait toute mon équipe, on était en train de se laver, machin, moi je rentre dans les toilettes, puis là, ils entendent. Qu'est-ce que tu fais, Franck? Non, non, rien. Et j'étais en train de m'en foutre partout. Ça a brûlé, ça a piqué. Et tu sais, ça le recroqueville. Il disait, non, arrête, arrête. Non, mais c'est vrai. Et puis la suite, en fait, c'est que ça les a à moitié tués. Ils ont dû s'en prendre plein la gueule parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Les morpions leur mettent des petites pommades. Mais là, l'insecticide, là, les mecs, ils ont dû dire, on est tombé sur un fou. Je ne sais pas si ça parle, un morpion. Hein. Et ça réfléchit en tout cas. En tout cas, ça doit réfléchir parce que pour se placer dans les endroits où ça se place, c'est que ça réfléchit pour te faire chier. Moi, c'est Tony. Bonsoir, je suis Koé. Si chez vous, vous avez des petites bêtes qui vous dérangent. Donnez à Jenny de Colantin de mettre ton nom. Eh bien, contre les petites bêtes qui font. Moi, je suis Tony. Il y a question jaune. Ouais, c'est super. Sinon, vous saviez que Michel Leeb avait raté 3 fois son bac? Et contre les petites bêtes qui font. Il l'a eu pour la 4e fois, mais. Il y a question vert. Caisson jaune, caisson vert, les deux font l'affaire. Et la semaine prochaine, je reviendrai en vous disant « D'après vous, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte? Une Cécile écrasée? Je sais pas, je sais pas. » Un jour, tu te faisais bronzer sur ta terrasse et que la fenêtre s'est fermée de l'intérieur. Qui a raconté tout ça? Oui. Moi, je veux pas dire, c'est Christian, mais je veux pas le dire. Et il paraît que t'es resté enfermé pendant 3 heures. Attends, je n'ai pas compris. Sur la terrasse à l'extérieur? À l'extérieur, oui. Bah oui. Sinon, une terrasse à l'intérieur, toi. Petite tenue, ouais. C'est-à-dire? Et j'étais obligée, dans cette petite tenue, de crier. En petite tenue, c'est toute petite tenue ou petite tenue? Toute petite tenue, de crier aux voisins. Toute petite? Des gens qui passaient pour me sauver. Mais oui. Qui est venu t'aider? Une dame. Pourquoi oui. Le pas de bol. Pourquoi moi qui glande des fois, je suis chez moi, je suis comme ça, je tiens. Pas une personne à sauver. Personne m'appelle et tout. Pourquoi? C'était horrible, je pourrais rester toute la nuit sur la terrasse d'un petit tenue. Mais la prochaine fois, tu m'appelles. Question plus personnelle, est-ce que j'ai une chance avec Adriana Carambeu? Ben, il faudrait grandir déjà. Partie du corps qui forme la jonction de la cuisse et du bas-ventre. C'est là. Plus bas. C'est l'aine. Là. Non. Non, c'est là, l'aine du bas-ventre. Oh là là, oh là là. Je vous en prie, c'est l'aine. C'est là. Mais non, c'est l'aine, c'est pas là l'aine. La l'aine, c'est où? C'est juste en dessous. Ah, c'est là? Voilà. Mais en dessous, non, là, c'est la couille. C'est sur le côté. Là, c'est le pubis. Non, c'est là, alors. Bah oui. L'aine, c'est ici, l'aine. L'aine, écoutez, c'est en Picardie, bah oui. Madame. Mais c'est là, l'aine. Bah oui. Et donc, c'est là. Oh là là, my God. Faites quand même un truc en dessous. Voilà. Attention, l'appendice tout en longueur est légèrement poilu qui laisse des fois... Appendix. L'appendice. Non, c'était le nez. Mais arrêtez, je vous jure, il y a un truc. Adriana. What? Non, mais faut arrêter. Une fois que l'autocollant est mis, faut arrêter le bang. Il y a quand même des trucs quand même qui. Elle monte pas si haut. C'était le nez. Enfin, l'organe du corps entouré de poils, souvent humides, que l'on peut frotter avec le doigt. Moi, je sais. La langue, j'en sais rien. La langue, il y a des poils sur la langue. C'est la moustache. Ah, mais oui, elle a raison. Non. C'était l'œil. Pas évident. Non, mais je vous en prie, allez-y. Voilà, très, très bien, d'ailleurs. Très, très bien. Bon,
c'est vrai, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour une noble cause, c'était pour faire un... On faisait la ronde du bisou qui devait partir d'ici, qui devait partir loin d'ailleurs. Pour le SIDAction, ouais, oui. Qui devait partir loin, que tu as fait partir loin. En mobylette. Ça m'a beaucoup touché, tu as été un des rares à la télévision qui se sont sentis extrêmement concernés par ça, et sincèrement, et donc je trouvais ça vraiment chouette. Eh bien, nous avons en loge quelqu'un qui peut nous tenir informés en temps réel de où en est ce bisou. Attendez, quitte à avoir fait partir un bisou, quand même savoir où il est. Est-ce qu'il y a quelqu'un en loge, vous m'entendez? Oui, vous m'entendez, bonjour? Oui, bonsoir. Salut, bonsoir. Ça va bien? Gros trajet pour le bisou. Ah, hein. Alors il en est où? Alors rappelons qu'il est parti de la plaine Saint-Denis. Oui, à côté de Paris. Hein. D'accord. Il est passé par les Carpates. C'est pas vrai. Là, directement, il est allé au Groenland. Incroyable. Ah oui, il a... D'un petit peu gercé, là, sur le moment. Ah oui, oui. Ah, oui. Là, il est passé par le Canada. Oui. Il a nagé comme ça. Il a nagé. Tout seul, le bisou. Incroyable. Le bisou, c'est nager, donc. Tout à fait. Il a nagé. Il est arrivé au Brésil. De là, hop, il est reparti par ici. Ah oui. Il réapparaît par là, ah, bah, la chaîne de l'Alaska. Il est passé par la Sibérie. Oui. Et normalement, on me signale qu'il devrait arriver sur le plateau d'une minute à l'autre. Non, ah, non, non. Le bisou est de retour. Je crois que le bisou arrive. Non, c'est la boucle du bisou. Oui, oui. Là, on est en train de boucler la oh là boucle. Là le bisou revient. Il est là. Le voilà. Vous pouvez l'applaudir. Faut l'embrasser. Attendez. Attendez. Si le bisou revient, on est d'accord, faut que je l'embrasse. Hein, c'est... Ah bah c'est la règle. Non, hein. C'est normal, il faut que la boucle revienne, donc il faut que j'embrasse le bisou. Alors, c'est la règle. C'est la très règle. Bien, le bisou est donc... mademoiselle, je vais donc faire... Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Ah non. Mon doudou. Ah non, vous brisez la règle là. Non, non, c'était elle que je devais embrasser. Oui, mais c'est elle qui est le bisou qui est venu de loin. Non. Doudou. Oh non, faut... Il embrasse bien. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Désolé parce que je réponds. Voilà. Bonsoir. C'est quoi? C'est toujours ce geste-là de gens qui portent les moustaches. Je crois que tout le monde aura compris, je ne sais pas jouer de guitare. Voilà, faut le faire comme ça si vous voulez. C'est-à-dire que le réalisateur, il est pas tout le temps sur toi, alors des fois, j'arrive pas à savoir. Est-ce que vous vous vengez d'un truc ou pas? C'est la petite Huguette qui est dans la forêt. Un jour, la petite Huguette. Vous avez remarqué comme je fais même plus d'efforts. Non, je le fais comme ça, mais je pourrais. Je pourrais le faire plus saine. Hein. Bon, mais je l'ai fait comme ça, vite fait. Mais bon. Ah, c'est bien. Ha 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 ha!
J'ai manqué un cours, c'est pour ça. Non. Non, elles sont très longues, mes blagues. Je me souviens d'une blague sur le foot qui avait duré 2 heures. Ouais. Ouais. François. Non, 3 c'était caché. La dernière. Attends, ah, si, il avait 3 c'était caché. Ah, 3 c'était caché. Tu veux 3 c'était caché? Oui, 3 c'était caché. Alors, c'est 3 c'était caché qui. C'est de sortir 3 c'était caché qui sont dans la. Crée, je pense. Oui, attends, ça, tu me laisses la raconter. Si tu commences à me couper, ça va durer des heures. Alors? Alors, tu veux pas m'envoyer un truc dans la gueule? Pas du tout. Non. Alors, sur 3 c'était caché. Qui doivent rentrer chez eux. Donc, oui. Il est 11h du soir et ils sont obligés de passer par un petit bois. C'est tard pour des steaks cachés. Ce qui est tard, hein. Ouais. Et donc, ils passent dans le bois et là, il y a juste avant, ils se tiennent par la main et ils disent, bon, il faut donner du courage, il faut chanter une petite chanson. Donc, on est 3 steaks cachés, on n'a peur de rien, on va dans la forêt, là, 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 là. Ils font 3 mètres et au bout de 3 mètres, il y a un steak caché qui disparaît. Les 2 steaks cachés disent, mais qu'est-ce qui se passe là? Hey, t'es où, steak caché? Et puis là, il n'y a pas de réponse. Ah non, Lyon, ça suffit, hein. Et donc, il n'y a pas de réponse, etc. Alors, les 2 autres ont la trouille. Ils disent, ça y est, il y a l'autre steak caché qui se fait bouffer par un corbeau. C'est épouvantable. Donc, on se tient tous les 2 par la main. Et alors, j'avais dit qu'elle était très longue, hein. Oui. Et donc, il y a les deux autres steak cachés. Vas-y. Bon, alors, il y a les 2 autres steak cachés. Vous la connaissez, la blague des steak cachés? Et donc les 2 steaks cachés. Check, check, one, two, three. Et non, je veux la fin. Je veux la fin. Non, elle va être très longue là. Et donc les 2. Oui, mais je peux pas avec la musique, ça me gêne. Coupe la musique. Et donc les 2 steaks cachés qui restent. N'est-ce pas, se disent, oui, l'autre s'est caché. Donc l'autre s'est caché, disparu, etc. Il dit, bon, allez, on se tient par la main et puis on espère qu'on va pas se faire. Et puis on chante la chanson et on espère qu'on va pas se faire bouffer par les corbeaux. Et donc ils se remettent à marcher. Non, coupe la musique. Et ils se remettent à marcher. Et au bout de 3 mètres, il y a l'autre s'est caché qui disparaît. Et donc il y a le chef des s'est cachés qui est tout seul et qui crie, qui dit, mais où vous êtes? Et où vous êtes? Oh putain, ça y est, ils se sont fait bouffer par des corbeaux, c'est horrible, c'est affreux. Il pleure. Puis à un moment, il entend, psst, psst. Et là, il regarde, et puis il voit les 2 autres steaks cachés. Et ben, vous étiez où? Ben, on s'était cachés. Ça vous arrive de rire aux jamais, larmes? Jamais. Non mais attendez, vous n'avez quand même pas commencé à me chercher maintenant. Non, j'arrête pas de sourire depuis le début. C'est vrai. Vous êtes de nature souriante à la base? Ben je souris, je ris pas, mais souris, c'est comme ça. Mais des fois vous riez. Quel jour? Ben, quel mois? Quelle année? La dernière fois que vous avez ri, en gros. Aux larmes, une blague. Vous voulez que je vous raconte une blague? Ouais, ouais. Ah non, non, non. Ah ouais. Attention, attends. Ah ouais. Je savais que ça allait se terminer comme ça. Attention, rire avec Patrick Chen. Oui, Patrick. Alors, une blague pour tout public. Hein. Oui. Oui, absolument. Donc, c'est un type qui vient de trouver un pingouin dans une voiture et qui rencontre le flic au carrefour. Tu vois, il commence à rire déjà, alors que c'est pas mal. Non, mais attendez, ça sent la bonne histoire. Moi, personnellement, ça sent déjà le truc, on sent qu'on est... Alors, je peux travailler tranquillement. Bon. Et il va trouver le flic au carrefour et lui dit, écoutez, je viens de trouver un pingouin dans ma voiture, qu'est-ce que je fais? Vous la connaissez, non? Elle est bonne, hein? Ben, elle a l'air bien. Et le flic, il dit, emmenez-le au zoo. Très bien, il s'en va. Et le lendemain, le flic voit revenir le même type, avec le pingouin, et lui dit alors? Je lui dis, le mec, lui dit. Hier, je l'ai emmené au zoo, ça lui a bien plu, maintenant je l'ai emmené au cinéma. Grâce à cette émission, en une fois, tu vas avoir tous les animateurs, t'as tout ce que tu veux. Thierry Ardisson. Ouais, mon invité! Ouais, il m'a tout piqué, mes chemises, mes poutres, mes fiches, tout, il m'a tout piqué, Alors Victoria, tu sais, ta filmographie, c'est un peu la liste de mes fantasmes. Attache-moi, talon aiguille, gazon maudit, entre les jambes, la lune dans le caniveau, Dis-moi, que des films qui ont eu du succès. Alors dis-moi, entre nous, est-ce que succès, c'est trompé?
bienvenue dans ton interview Fréquence Star à toi. Dis-moi, un chanteur mort vend plus de disques qu'un chanteur vivant. T'as pas envie de mourir pour devenir plus riche? Bonsoir et bienvenue dans son émission Ça se discute. Elisabeth, j'ai plein de questions à vous poser, mais d'abord la première, une question qui intéresse les Français, qui, comme moi, n'y connaissent rien en astrologie. Elisabeth, si j'ai une grosse convergence d'Uranus dans la Lune, est-ce que j'ai des... J'ai mes lunettes qui bougent. Elisabeth ? Elisabeth, je repose ma question. Je dis donc, si j'ai une grosse convergence d'Uranus dans la Lune, est-ce que j'ai des chances de voir des étoiles ? Et deuxième question, est-ce que ça fait mal ? Probablement 7e ciel. Probablement il verra le 7e ciel. Surtout qu'il est cancer, donc la Lune est très importante pour lui. Très bien. Prochain débat, je consulte une astrologue pour éviter d'avoir les boules. Merci, bonsoir. Bonsoir à tous. Enfin, dans La Boîte Noire, justement, vous interprétez le rôle d'Arthur. Oui. Alors, finalement, José, avec le recul, vous pensez que le rôle d'Arthur, c'était un rôle à prendre ou à laisser ? C'était à prendre, évidemment. Bien sûr. Enfin, dernière question, il y avait combien dans la boîte ? Ah, pas mal. Une certaine somme, mais je vous le dirai pas. Merci, José Garcia. Oh, on est bien ! On est bien, Elisabeth, je suis content de vous voir. Non, pas ce profil ! Bon, j'ai dit ce profil-là, si vous voulez, mais pas celui... Ah non, mais c'est vrai, chaque fois tu me filmes de ce côté-là, alors que je veux pas... Bon, Michel, j'ai une question à te poser, une question qui est intelligente. Toi qui connais bien la puriculture méditerranéenne orientale. Oui, il le sait bien. J'ai une question philosophique à te poser. T'es plutôt sauce blanche ou harissa dans le kebab? Dis-moi, Francis, t'as joué dans le dîner de con qui a fait des millions de spectateurs au cinéma? T'as joué des téléfilms à la télé, dans des pièces de théâtre? Au théâtre? Alors, je voulais te poser une question de comédien en comédien. Mais avec quoi manger au dîner de con? Bonsoir à tous, hein. Bonsoir Guy. Hein. Bonsoir Marco. Salut Victoria, c'est Marco. Alors dis-moi Victoria, tu sors un album de musique brésilienne. Alors moi je voulais savoir si c'est parce que ce pays te fait rêver ou c'est parce que t'as une femme qui a des couilles. Oui, toute petite et collée au cul comme les tigres. Moi je voulais revenir sur Maître Bergès, donc 7 péchés capitaux. Oui. Notre cher maître commence à parler et là... Là-dedans ? La boule explose. Mais comment vous en êtes aperçu de ça ? Bah parce qu'il est resté à peu près comme ça toute l'émission, donc effectivement, à un moment donné... Là, je vais me faire tuer, parce qu'il aime pas qu'on en parle. Là, vous me mettez dans le drôle de drap. Non, mais ça, c'est la force de faire, mais pas ça. Il avait... Ce mec-là, il sera pas une chance, ça, merde. Il avait un petit problème. Et comme c'est toujours la même dame... Ça, c'est parce qu'il s'est beaucoup battu pour les autres. C'est à peu près ça, ouais. Un jour, le Didounet avait un petit problème de bridge. Ah, le Didounet. On lui en avait mis un provisoire. Et qui n'était là que pour quelques jours, qui était très mal posé. Donc il commence l'émission, et juste avant l'émission, il me dit « J'ai la dent qui s'en va, je suis très embêté, on était en direct. » Et effectivement, il commence à parler, la dent commence à tomber un peu. Donc il la remet discrètement avec le pouce, mais il a dû faire toute l'émission comme ça, de peur que la dent parte. Et quand je lui parlais, et qu'il me répondait, c'est comme ça. « Bien Julien, ce qu'il faut savoir, c'est que l'article 724 ne peut pas s'appliquer dans cette situation. Encore ?» Et à chaque fois, il remontait un peu le râtelier. Et donc, on lui en a offert un œuf. Je lui fais un gros bisou. Pendant l'émission, il paraît que vous avez l'habitude, lorsque les candidats jouent, et en l'occurrence, lorsqu'ils demandent le vote du public, ouais, de boire un verre d'eau. Ah. Oui, c'est une manie que vous avez. Que... Ouais. Et parfois, une fois en tout cas, la production vous a fait une petite blague. Scandaleux. Petite blague. Non, c'est scandaleux ce qu'ils m'ont fait, parce que j'ai un petit verre d'eau caché derrière mon écran, et pendant le vote du public, parce qu'on enregistre plusieurs émissions, un petit coup de flotte, une grande rasade d'eau. Oui. Hein. Et là, il m'a émis du rhum blanc. Sans rien me dire, tu vois ce que je veux dire. Et donc, alors, public, votez, bonne chance. Et il paraît que je suis devenu tout rouge, et les gouttes commençaient à perler sur mon front. Il m'a dit, allez-moi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Coé Shopping. Coé Shopping présenté par Coé et Michel Bougenard. Michel Bougenot. Michel Bougenot. Bougenot. Ça a déconné, hein. Ça a déconné, t'as la tête à une betterave ou quoi. Bienvenue au... Tu bois pas que de l'eau. Ouais, c'est bon, c'est rigolo. Bienvenue dans Coé Shopping. Je vais te mettre la tête dans le seau. Ouais, tiens.
Sans déconner, on va te causer, toi. Bon, alors, donc, Michel Bougenot, qui est notre, aujourd'hui notre disciple, hein? Si. Du Koé Shopping. Alors, bienvenue d'abord en Picardie. L'Aspi sans fil 2000, Michel, présente ça aux gens. Alors, monsieur, dame, l'Aspi sans fil 2000, qui est à fabriquer dans la Picardie. Parce que, croyez-moi... C'est quoi cet accent? L'Aspi sans fil 2000 dans la Picardie. Je le fais ce que je veux. Dans le Picardie, ils font des Aspi 2000. Et c'est des... Parce qu'avant, il y avait l'Aspi 1000. C'était de la merde. L'Aspi 1000, c'est un cachet effervescent, tu le mets dans la bouche, ça t'enlève le mal des têtes. Alors, l'Aspi 2000, il n'est pas effervescent. L'Aspi 2000, c'est un truc, c'est un suppositoire. Mais on ne peut pas faire la démonstration. C'est pour enlever les mal des têtes. Comme ça, tu mets ça, t'as plus mal à la tête, t'as mal au cul. La boîte range tout magique. Alors ça, c'est incroyable. Alors ça, je peux le dire. Allez-y. Donc, vous pouvez tout ranger dans cette boîte qui ne pose aucun problème. Et par exemple, vous voulez rentrer, bon, vous avez... Elcho, il voulait eu ça pour Noël. Et alors? Bon, et bien alors, Elcho, il a eu ça pour Noël. Il dit, oh, mais quand même, ça prend trop de place. Eh bien, grâce à la boîte, vous pouvez absolument tout mettre dedans. Voilà, c'est ça qui est pratique. Un cactus. Vous savez pas quoi faire du cactus. Et bien, le cactus, c'est pareil. Vous pouvez le mettre dedans, voyez. Et même également, une énorme plante verte qui prend trop de place chez vous. Dans cette petite boîte, vous pouvez absolument tout mettre, puisqu'elle peut rentrer sans aucun problème. C'est ça, le principe de la boîte. Cette boîte, elle est également magique. Elle fait des tuyaux gâteaux quand les gamins rentrent de l'école. Des gâteaux? Des gâteaux. Alors, comment on fait des bons gâteaux? Comment on fait des bons gâteaux? On met de la farine. Oui. Dans la boîte, hein? Dans la boîte. Donc, c'est dans, la boîte quoi. Dans la boîte, dans la boîte. Donc on met, alors il suffit, vous allez voir, c'est tout magique. On met tout et la boîte a fait le gâteau. C'est pas vrai. Si, si. Le gâteau sort tout seul. Absolument. Alors vous mettez, donc vous mettez de la farine dans la boîte, comme ça, sans aucun problème. Mets des œufs tout de suite. Vous rajoutez le sucre, c'est important le sucre. Et, À mettre dans une boîte. Ensuite, bien sûr, pour faire un bon gâteau au chocolat, faut mettre du chocolat. C'est important de mettre du chocolat. Mettre de la cervelle. Dans une boîte, un peu de cervelle. Puis bon, surtout, ce qui est important, c'est de mettre des bons œufs. Parce que si vous mettez pas des bons œufs, ça peut pas être très très bon. Vous voyez, c'est ça qui est bon, faut mettre. C'est génial. Faut mettre des bons œufs, voyez. Alors c'est important. Alors les œufs, par contre, ce qui est bien précisé dans la salle, c'est qu'il faut les envoyer un peu en biais. Voilà. Alors c'est important. Alors la recette, je dis, voilà, faut les envoyer un peu comme ça. Des fois voilà. Même les envoyer comme ça. Attendez, parce qu'il faut toujours mettre des œufs. Voilà. Alors la boîte, des fois refoule. Alors des fois la boîte elle refoule. Alors, mais quand elle refoule, on y va comme ça, voyez. Ça, on y va. Il faut pas qu'elle refoule. Voilà. Alors on attend 2 secondes. Et quand c'est prêt, tiens, faut mettre l'assiette parce que si on met pas l'assiette, ça marche pas parce que voilà. Ping ! À table, c'est prêt. Voyons. Et à ce moment-là, on ressort un magnifique gâteau. Jouer une femme libérée, ce serait sur mesure ou à contre-emploi ? Alors ça se discute. Oui, il y a une grande partie en moi qui est libérée, mais je suis pas du tout féministe. Donc ça, d'accord. C'est un petit peu contradictoire. Jouer une bonne sœur. Une bonne sœur, non. Jouer une bonne sœur nymphomane. Oui, c'est pointu. C'est pointu. Non, ça serait... Jouer une femme rebelle. Ça, c'est sur mesure, non, oui, malheureusement. Jouer une femme soumise. Ça peut être sur mesure. Jouer une femme dépressive. C'est sur mesure, oui. Ah bon? De toute façon, vous voulez pas venir en tout cas avec moi, ouais. Restez dépressif. Vous êtes soumise et rebelle. Oui, c'est bien que vous... Oui, c'est ça. Ouais. C'est assez étonnant. Pourquoi pas? Tiens, tes médicaments. Je reconnais que je suis pleine de contradictions. Je reconnais. Que vous dites mais oui, je pense que beaucoup de femmes le sont. Hein, oui, c'est vrai. Voilà. Jouer une femme pas chiante. Ça va être difficile. Ouais, ça sera contre toi. Fallait me dire que vous aviez tourné des séquences entre vous pour la promotion du nouvel album de Johnny. Fallait me le dire, qui sort aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, enfin, qui sortit là, cette semaine. Non, mais fallait nous le dire. Je savais pas, moi, en plus, que vous aviez super bien la voix de Navarro et que vous saviez chanter du Céline Dion. Ah bon? Allez-y, faites-moi voir ça. Écoutez, Commissaire Moulin qui fait Navarro, c'est troublant, regardez. T'es autant. Alors, est-ce que tu l'as acheté, mon disque? Ouais. Et alors, qu'est-ce que t'en penses? Je vais faire te le dire tout de suite. C'est de la merde. Quoi? T'aimes pas le rock? La vérité, c'est que tu me saoules depuis 30 ans avec ta musique. Et alors, moi aussi, je me saoule. Il faut bien que je vive, non? Oh là 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 là, ça va chier les bulles, là. Tu pourrais t'en renouveler, hein.
C'est vrai, de toute façon, tu chantes toujours pareil. Où je sens, va y avoir du remue-ménage. Moi, mon truc, de toute façon, c'est Céline Dion. Je l'adore, là, quand elle chante le Titanic. Tu veux que je chante un petit bout? Tiens, par exemple, ça fait... Oh, this my country's going. Tu veux ça? Non, s'il te plaît, tu chantes pas ça. Oh, là, les paroles, c'est facile, c'est... Oh, need you, need whatever. Si tu chantes ça, je vais... Non, tu chantes pas, non. Need you, need whatever. Arrête tes conneries, s'il te plaît. Need you, need whatever. Je vais péter la tête à la fille si tu chantes la chanson. Wow, arrête ou alors je lui tire dans la paire de lunettes. Bonjour, ça va? Mopral, le public, la méthode Mopral. Ça va bien? Copain Mopral. Ouais. Laurie, autographe. Pour Agnès Mopral. Est-ce qu'elle veut bien? Oui. Ah, voilà. Comment elle s'appelle? Aspiroun. Aspiroun. Couette pas mieux, hein? Merci. Voilà, alors, elle est contente maintenant? Voilà, faudra lui donner, ça lui fera voilà. Plaisir, elle est là. Voilà, autographe Laurie. Argent. Argentographe. Tu vas pas faire payer ta nièce. Oui, très cher. Mais pas pour l'autographe de Laurie, elle est là. Oui, connecteur, argent. Par enfin. Argent pour l'autographe. Oui. Une enfant. Voilà. Ah, tiens, ça vaut un autographe. Mais je veux pas faire... Moitié. Hé hey, argent quand même. Oh là 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 là, c'est beau, cadeau. Regardez ça. Oui. Qu'est-ce que c'est? Lecteur MP3. Un lecteur. Oui, oh. MP3. Point de la technologie. Oh. Point de la technologie. Oui, oui, oui. Ça, je vais te le faire marcher. Merci beaucoup. Je vais te le faire. Nouvelle technologie boutique. J'ai des choses à écouter. Oui. C'est moderne. Bonjour, une grande frite, 6 morceaux, s'il vous plaît, une sauce curry. Ok, d'accord, client suivant. Oui. Attends, bouge pas. Emporté. Mais ça ne marche pas. Ça, oui, il n'y a pas de... Il ne marche pas, là. Ah, oublie batterie. Bah tu mets une batterie, s'il te plaît. Parce que j'en batterie j'en... écologique. Oui, mais j'en boutiquistan. Ok, mais... Il faut que... Oh, la fille. Écologique, Mopral. Batterie. D'accord, Mopral. Oui. Mopral. Oui. Si j'offre à Liane Folie un petit lecteur MP3 super petit, oui. C'est pas pour que tu lui offres une batterie de 2 tonnes. Oui, mais écologique, batterie. Pourquoi écologique? Oui. Émotion ce soir, hein. Est-ce qu'on peut se mettre en relation avec le château? Émotion. Le oh là. Ah oui. Ah oui. Ah oui, ah oui c'est... Starak château. Ah oui, c'est le budget en dessous quand même, hein. Ah oui. Ah oui, c'est... Élève château. Ah oui. Ah, ils veulent, d'accord, il faut passer par derrière ce qu'ils sont en train de... Oui, grand château. Quel beau château. Effectivement. Bonjour. Oufène. D'accord. Ouspégique. D'accord. Et mon dieu. Espace Foun. Très bien, je vois tous vos élèves de la Starac Boultikistan. Ça cartonne là-bas, c'est le cas de le dire? Oui, oui, votez. Faut voter? Oui. Comment on fait? Voter, SMS. Super, comment je fais? Machine, SMS. D'accord, mais qu'est-ce que je fais? Je compose le... Oui, code. Je mets... Mais faut mettre... Carte. Mais c'est juste pour la communication? Oui, ou oui, oui, SMS, vote. D'accord. Je travaille à TF1, j'ai une carte dorée. Donc, alors, oui, je la mets comme... Très bien, et code. Le code, alors un pour qu'il sorte ou pour qu'il reste ou... Code, code, carte bleue. Pareil, pareil. C'est étonnant. Je pense que je vais regretter ce que je suis en train de faire. C'est bon, Boultikistan Télécom. Qu'est-ce que c'est? Rien, cadeau. Bye bye et... Y a-t-il des histoires d'amour entre les élèves? Ah, oui, bien sûr. Y a-t-il des histoires d'amour entre un prof et un élève? Bon non, ils sont super jeunes. Y a-t-il des activités sexuelles dans la salle CSA? Oui. Il y a eu. Ah ah ah. Avec Raphaël. Alors, la question qui suivait, sexuelle. Entre qui et qui? Ça, je ne peux pas répondre. Sexuelle. Parce que je suis pas là. Mais, et puis, j'ai pas vu. Donc... Mais sexuelle.
Oui. Enfin, t'as pas vu, t'as mais pas s'ils vu, sont... ils avaient éteint la lumière, c'est ça. C'est... Eh, non, non, j'ai pas vu. Pas si on entend. C'est pas un roulage de pelle. Non, c'est non. Du cul. Oui. Mais t'avais pas. Comment t'avais... tu parles, toi Bah, comme à la maison. Comme à la maison. Sans déconner, c'est du cul, quoi. Voilà. Mais comment tu parles? Bah voilà, c'est non, ça. Non, bah, voilà. Il y a eu. Cette année? Oui. Hétérosexuel, homosexuel, ouais. Bisexuel, trisexuel, partouze. Monopartenaire, tripartenaire, c'est important. Nous voulons savoir, la France veut savoir. Non, non, normal. Quel genre de conventionnel. Rapport? Était-ce Gilles avec un garçon? Je ne dirais pas. Était-ce Maud? Je ne dirais pas. Seul ou à deux? Parce que seul, c'est pas. Bah, seul, tu fais pas de bruit tout seul. Oh bah si. Oh ah, pas tout seul. Tu le fais très très bien. Ouais. Peut-être à seul, je sais pas, mais oui, à deux, oui, à sûr. Deux. Tu sais qui c'est? Oui. Je les ai montrés dans mes... Ah, c'est Gilles. Je suis sûr que c'est Gilles. Parce que Gilles, je ne l'ai pas montré. Ah, c'est Gilles avec Greg. Ah, bonsoir, monsieur Gredin. Oh là là. C'est qu'est-ce qui se passe, monsieur qu'est-ce Gredin qu'il y a encore? Bah, je viens de me rendre compte que je me suis fait piquer ma coupe de cheveux par Pierre. Je suis pas content là. Moi aussi, j'ai un cheveu super pauvre en oui, plus. Mais alors. Lui, il a un cheveu super, super pauvre. Bon. Et on vous pique pas votre shampoing. C'est pas faux d'un autre côté. C'est pas en faux. Même temps, bon. En même temps, il l'utilise pas, lui. Donc. Si je trouve celui qui fait ça. Bon, alors donc, monsieur Gredin, qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé du travail pour Grégoire. Pour Michel, toujours rien. Pour Michel, je regarde. M, rien. Voilà. Heureusement, hein, c'est pas lui qui me donne du travail. C'est merci. Vrai, j'espère hein. Bien. Bon, en tout cas, j'ai une petite question pour Grégoire. Est-ce que vous aimez la scène? Ah, oui. Grégoire, est-ce que tu aimes la scène? J'adore la scène, mais c'est vrai que bon, bah, j'ai pas su trop le montrer. Il aime la scène. Mais j'aime beaucoup la ouais, scène. Ouais, j'adore ça. J'ai un poste de conducteur de bateau mouche sur la scène. Il est d'accord. C'est pas gagné. Monsieur Gredin, je trouve. Ah, j'ai peut-être autre chose. Ah, doublure de Arnold et Willy. Non. Ce n'est pas possible. Monsieur Gredin, je pense que comme les autres émissions, vous allez vous tuer, puisque Monsieur Gredin de désespoir se tue à chaque émission maintenant. Et se loupe. Ouais, vous avez raison, j'ai décidé d'être professionnel, je vais mourir comme un professionnel aujourd'hui. C'est-à-dire? Ça va pas rigoler. Mais on dirait le blouson de Jean-Paul Belmondo dans Le Professionnel. Mais arrêtez, on a du mal à mettre son blouson, il est trop petit. Exact, tout à fait, accessoire. Mais qu'est-ce qui se passe? Attendez. Qu'est-ce que je fais, monsieur le ministre? Je stoppe ou je stoppe pas? Alors? Bah attendez, deux secondes. À deux secondes, le ministre se prépare. Je sais pas. Bah il faut savoir, je le stoppe ou je le stoppe pas? Attendez, ça veut dire que si jamais il franchit la porte, il la franchit définitivement? Oui! De toute façon, dans deux heures, je ne serai plus ministre. Alors vous savez, moi, ma démission est déjà sur votre bureau. Bon ben, je le stoppe alors. Allez-y, Farge. Stoppez-le. Oh putain. Non, ça va, c'est pas une chasse à cour. Ça va, c'est bon. Nous venons de perdre Monsieur Gredin. Et tout en portant ces lunettes ridicules de Ange Fettuccini, qui me les a prêtées. Ou de Poncherello. Ou de Hutch, dans les années 78. Je tiens à dire que, sous nos yeux, il y avait Monsieur Gredin, un vrai professionnel. Salut, chapeau. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir. Et bienvenue au Royaume-Uni. Adeline, à part le succès, qu'est-ce que gagne une actrice qui a passé 10 ans à jouer sous le soleil? De la thune? Non, un cancer de la peau. Attention. Michel, quel est la principale différence entre l'organe d'un homme blanc et celui d'un homme noir? La taille. Et non, le timbre de voix, l'organe. Mal parlé, à quoi il pense le truc? Comment appelle-t-on un cheveu qui n'a aucune source de revenus? Un cheveu pauvre. Un cheveu pauvre. Véronica, si une mallette est une petite malle, qu'est-ce qu'une salopette? Une petite salope. Non, un vêtement. Charlotte. Charlotte de Turquie.
Quelle profession consiste à se prendre trois coups tous les soirs avant de grimper au rideau? Comédienne. Comédienne, bonne réponse. Bon. Donc. Laurie. Monsieur et madame fils ont une fille. Comment l'appelle-t-il? Laurie. Laurie. Laurie fils. Bonne réponse. Attention, Julien. Ah, toi. Julien, on s'amusera après. Comment s'appelle l'homme célèbre qui passe souvent tard le soir à la télé et qui est connu pour sa grosse bosse? Didier Vergès? Non, Rocco Siffredi. Attention. C'était la meilleure film. Lumière, merci. Il y a eu une certaine Séverine. Ah oui. La plus jolie fille du lycée. Non, je me souviendrai toujours parce que c'est elle qui m'a dit, déjà j'étais assez complexé, et enfin j'arrive à sortir avec une des plus jolies filles du lycée, et elle me dit, je suis bien avec toi parce que j'en ai marre des mecs beaux. Ah. Et cette fille qui doit aujourd'hui être très grosse et très moche. Eh bien Pierre. Je suis sûr. Pierre. Non, non, c'est pas possible. Non. Je me suis renseigné. J'ai fait verrouiller l'affaire. J'ai dit ne me l'envoyez pas en plateau. Eh bien Pierre. Non, tu ne crois pas si bien dire. Regarde là-bas. M'a ruiné mon adolescence. J'ai eu un petit monté dans le rouge. Pourquoi? Ça t'a vraiment gâché tout? Non, parce que c'était vraiment pas le moment de me dire ça. Et c'est pour ça que même si on me fait des compliments aujourd'hui, je n'y crois plus à cause de cette fille-là. Qui à ce point-là. Voilà. Après, j'ai tout misé sur l'humour et sur cette chose indéfinissable qu'on appelle le charme. Je pense que là, elle doit être au bout du rouleau. Mais là, pourquoi t'as eu une puberté? Là, ben, je dis pas son nom, mais je suis à deux doigts. Hein. Ouais. Avec la petite insulte qui va bien derrière. Cette fois-ci, je suis à deux doigts. Il paraît que Lisa Razou est connue, je vous jure que c'est vrai, pour avoir des fesses qui font craquer les femmes. Mais grave. Ah, il a des fesses qui, une particularité, c'est qu'il broie les noisettes avec ses fesses. Hein. Pardon. Tellement elles sont... Mais c'est pratique à la maison. T'as joué les noisettes. Et voilà. C'est Laurent Fortin. Allez, c'est pareil. Ah, c'est... Mais... Et tu le prêtes ton casse-noisette ou pas? Non. J'ai lu dans la presse que tu avais, faut que tu me dises si c'est vrai ou pas, un petit souci sur la taille de... Yeah. Only because it's too big. Simplement qu'il est trop gros. C'est ça le problème? It's a real problem. Mais ça, c'est vraiment un problème, croyez-moi. I have to tie it in half. Il faut que je l'attache, il faut que... I have to put half of it asleep. Il faut que j'en mette la moitié à dormir, il faut... No, no, can I just say... Vous savez, c'est pas facile. Have you got a small penis? Yes. Vous avez une petite... I feel your pain. God. Bon, je suis désolé pour vous. Because... Parce que non, écoutez... Ça, c'est I always say, vous savez ce que je dis toujours, c'est que moi j'ai pas une petite bite et tout simplement j'ai des très grandes jambes. C'est pas mal. Ça c'est petit. Ça c'est petit. No, that's good. Oh, c'est pas mal. Oh, bah ça va alors. Mais on n'a pas vu. Oui, mais c'est entre nous, c'est un truc de mec. Ça c'est petit. C'est un truc. Ça c'est petit. No. Ça. Is that small? That's massive. Parce que ça c'est petit, mais ça c'est énorme. That's massive. Ça c'est énorme. Non mais Cécile, je crois qu'il y a longtemps que t'as pas vu le loup, hein, tu te rends pas compte. Hein. Ça c'est un animal, ça, hein, c'est incroyable. Votre type d'homme, c'est quoi alors finalement? Tu sais, en fait, comme si je n'étais pas là. Il y a pas vraiment un type. Hein, j'y vois comme ça les photos. Il y a pas un truc. C'est-à-dire que quand on aime quelqu'un, on aime pas ses. On n'aime pas ses vertus, on aime ses défauts. Je pense que c'est ça. Donc à chaque fois, c'est très très différent. Si on me demandait, j'aime les blondes aux yeux bleus, et par contre, je n'ai jamais eu aucun blond aux yeux bleus dans ma vie. Ah. Alors que, normalement... Enfin, toi, tu as les yeux bleus? Non, mais toi, t'étais blond il y a longtemps. Ça, c'est vrai, tu vas être les premiers, alors. C'est toi. J'ai jamais eu un blond aux yeux bleus. Non. C'est sympa les yeux bleus, hein. Tu vois? J'adore. Mais enfin, surtout ce que j'aime, c'est qu'il soit. Oui. C'est prouvé. Mal. Qu'il soit pas plus coquet que moi. Mmh. Ça, c'est important. Pourquoi vous l'êtes beaucoup? Ah, les hommes coquets, la libido, ça me la tue. Ah non, coquet, moi et toi, un hombre. Et c'est humour. S'il me fait rire. Ça sent un peu l'homme. Il a plus rien à faire. C'est prêt, quoi. C'est well done. Si, tout de suite. Tu parles de moi un peu. C'est. Tu parles de moi quand même depuis 10 minutes. Non, non, ouais, pas de toi. Elle a dit yeux bleus, t'as pas les yeux bleus. Bah, oui. Tu connais l'histoire de Paf le chien?
De qui? Paf le chien. Non, non, il s'en fout. C'est un chien, il traverse la route, puis il y a une voiture qui arrive et paf le chien. Oh. Non mais d'accord. Là, on sait pas si elle rit ou elle pleure. Mon ami, oui, mais pleure. C'est bien, c'est bon, c'est bon, c'est pareil, c'est la même chose. Non, 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 non. C'est la même chose. Ma mère, tu connais, tu connais l'histoire de Flip Flap la girafe? Ouais. Non. C'est une girafe, elle est sur la route. Et puis un hélicoptère qui arrive et flip flap la girafe. Oh, ok, voilà. Non mais fais-lui la grenouille, la grenouille. Ah, ah oui, la tu grenouille. Connais la grenouille? Non. C'est une grenouille, elle traverse une route. Et puis là, c'est le coup, il y a un petit qui passe en vélo et la grenouille. Ah, okay. Ah, ça éclabousse là. Alors il éclabousse. Je crois alors, que j'ai des chances. Ouais. Ouais. Bah, il peut encore travailler. Ouais. Fais-lui les deux prostituées dans l'ascenseur. Non, 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 ça se marche pas, ça, c'est un peu trop hard, ça, c'est un peu trop hard. Non, ça... Alors, dans ta... Ah oui, c'est là qu'il rote. Oh oui, je la connais. Je la connais. Tu connais très bien Magloire, un camarade de la 6. Ah, nous... là, je sens que je vais répondre. Que nous connaissons. Magloire ne serait... Est-il attiré par les hommes? Mm-hmm. Voilà. Très bien, très bien. Je t'en prie. Michael, alors justement, Michael, c'était la autre question embarrassante. T'as pris quoi comme drogue? Ouf. Tu veux un coup de main peut-être? Bien dur, tu as tout de main. Alors moi, ce qui est bien, c'est que je suis habillé pour l'hiver. Tu dois te pousser de là. Mais j'ai des problèmes avec les distances. Je vais prendre une autre caméra. Donc, restez avec nous. Tiens, je vais prendre celle-là. Dans un instant. Oui, dans un instant, avec Eric et Ramzy, je pose une question à Ramzy. Si Ramzy répond mal... T'es au courant demain. C'est toi, Koé. Il est sympa, Fauchiat. Il a des grosses fesses. C'est vrai. Et donc, il devra s'habiller. Oui, c'est vrai. Ferrer, elle est sympa. Enfin, oui. Restez avec nous pour la suite. À tout de suite, restez avec nous pour la suite. Question à Eric. Si Eric refuse de répondre ou répond une connerie, il doit mettre une Ramzy devra mettre quelque chose qui sera défini à l'avance. Oh bah je ça voudrait dire qu'on refuse tout le temps. Non. Si vous voulez faire chier votre copain, vous refusez. Bah moi, c'est mon seul objectif dans ma vie. Ouais, moi aussi. Hein. Moi, je réponds à rien, vas-y. On commence. On peut s'habiller tout de suite, en fait. Attendez, écoute, attendez. On peut mettre des trucs. Viens, on s'habille. Alors, Eric, combien tu gagnes par mois? L'équivalent de 3 blousons en cuir. Non, tu ne peux ne... C'est pas une réponse. Marque, Je vais considérer que c'est une mauvaise réponse. Non, Eric, non, ok, d'accord, Eric. Attends. Eric, vas-y, dis la vérité. 100 millions par an. 100 milliards. C'est une mauvaise réponse, Ramzy. Parce que toi, t'as la vraie réponse. Oui, absolument. Mais je peux pas la dire, parce que sinon, ça fout le bordel. Attention, Ramzy, On n'est pas les Ramzy, tu peux passer derrière. Vous êtes extrêmement bien. Le Ramzy du jour est arrivé. Ramzy, nous jouons maintenant, écoutez bien, si jamais vous ne voulez pas répondre à cette question, nous jouons pour le manteau de fourrure pour votre ami, je garde la coupe de Régis Laspalès, les lunettes de Sean Paul et le shampoo de Monsieur Loyal. Très bon ça, très bon. Attention, Ramzy. Oui monsieur. Cite-moi trois stars françaises qui prennent de la drogue régulièrement. Il n'y a que des PD ou des drogués dans ce métier. Eh bien, je ne m'intéresserai qu'à la deuxième catégorie. Je sais pas, Julie Lescaut, Mousse Diouf, Navarro. Ouais, en plus, t'as visé juste. Et non, vous avez donné trois noms au hasard. Non, les trois n'en prennent. Enfin, deux sur les trois n'en prennent pas du tout. Monsieur Eric, passez derrière, je vous en prie. Passez derrière. Excusez-moi. Voilà. Je vous en prie. Très belle tenue. Très belle tenue. C'est dans ces moments-là qu'on n'a qu'une envie. Pour pas
Il y en a qui ont essayé. C'est ça. Ils ont eu des problèmes. Ah, tu le fais bien. Ils se posent, mais ils repartent tout de suite. Vas-y, refais-le. T'as qu'à remuer les lèvres, je le fais. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Le train, il arrive, mais il repart tout de suite. Ah, il y en a qui ont essayé, c'est bien. C'est n'importe quoi. Cette émission, c'est n'importe quoi. Il y a ce surnom de Zorro du PAF, oui, qui te va bien, moi, je trouve. Enfin, je veux pas savoir ça si t'énerve. Ça... Non, mais je veux pas rentrer dans le jeu. Je laisse les dire, mais je veux pas, je ne revendique pas Zorro. Eh bien, c'est clair. Zorro n'ira jamais, sache-le, sans Bernardo, qui voulait absolument te parler. Non. Bernardo, je t'en prie, viens voir Julien. Oui, oui. Ah, tu veux poser des questions à Julien Courbet. D'accord, très bien. Sinon, ça va? Super! Il va très bien. Il va très bien. Quelques questions encore, Bernardo? C'est bon. Est-ce que c'est bon. Est-ce que tu as déjà gagné des courses de slalom géant? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Pardon. Est-ce que la célébrité t'a permis de passer plus facilement d'une fille à l'autre? D'une fille à l'autre, non, au contraire, non. Ah, j'en ai plutôt connu qu'une et voilà. Très bien, respectable. Oui. Alors, une autre question peut-être. Il revient souvent, ce mot. Hein. Ça veut dire que je remets à zéro, je pense, non? Ah, c'est quand tu tousses. Bon, on s'excuse quand on... Mais ça marche. Alors, une question? Bergès. Combien il gagne, maître Bergès? Dis donc, mais ça, il vous le dira si vous l'invitez. Ah oui, ça je sais pas, il gagne normalement sa vie. C'est une question que t'as pas à avoir la réponse. Bernardo, une autre question? Est-ce que vous revoyez souvent avec Antoine Decaune? Ah, Bernardo. Pas bon. Et j'ai l'arrivée pas à le dire autrement. Oui, très souvent, oui. Vous arrivez à conjuguer les agendas quand même, ça doit être chaud quand même. C'est pas évident, ouais. Oui, c'est pas évident. Tu travailles combien d'heures par jour? Hein? Tu travailles combien d'heures par non, jour? Non, mais je répondais à sa question. Pardon? Je sais pas, 12, 13. Ah, pas mal. Ah oui? Pas mal. Est-ce que 12-13 aussi, oui. Non, c'était est-ce que tu approfondis des fois les dossiers? Est-ce que je les approfondis? Ah oui, quand ils le méritent. J'aime bien aller au bout des choses. D'accord. Une dernière? Merci. Eh bien, il voulait... Merci aussi. À bientôt. D'accord. Est-ce que comme 33% des hommes, tu peux rester quelques jours sans te laver? Non. Est-ce que comme 42% des hommes, tu changes de slip une fois par semaine? 42%? Non. Non. Là, il y en a dans le public, ils voient la maison, ils sont en train de dire « Eh ouais !» 42, c'est quand même... Oui, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup, énorme. Ouais. Pas, c'est pas beaucoup en slip, mais c'est beaucoup en homme. C'est une fois par mois, en principe. Ouais, c'est ça, c'est une fois par... Absolument. Est-ce que comme... Julien, ça devient terrible, mais ouais. C'est la vie des hommes. Est-ce ouais. que comme 99,9% des hommes... Ouais. Tu ah, mais pètes au lit dès que tu es seul? Ah non. Ah non. Jamais? Ah non, non. Je note. Non, j'ai dit non. Ouais, j'ai dit non, je note non, et je mets une notation mais personnelle. Qu'est-ce que c'est une espèce d'entreprise de démystification. Et je mets une petite note personnelle, un brin menteur. Oh là là, pardon. Aïe. Oh là là. Oh là là. Oh la pauvre. Oh là là. Oh là là. Messieurs, poussez-vous. Écoutez, nous avons le grand patron. Mademoiselle Herpès, bonsoir. Oh là là. Ça va pas mieux. Hein.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se... Mademoiselle Herpès. Elle est tellement jolie. Je crois qu'il a mis un goutte à goutte qui coule vraiment. Oh la vache, ça coule vraiment. C'est la télécommande. Je vais faire un rapport, les mecs. Écoutez, c'est le bordel, Francis. C'est le bordel, cet hôpital. C'est pas possible. Ma pauvre vieille. Alors, raconte-moi. Alors, tu es malade, alors raconte-moi. Alors, raconte-moi. Alors, raconte-moi. Ils l'ont attaché. Voilà, ils l'ont attaché parce qu'ils savaient que... Je peux te faire un petit bisou. C'est le grand patron qui est là en personne. Vous coulez du lit, franchement. C'est parce que je suis contente. C'est pour ça que ça coule. Non, écoute, non, je dois écouter. Non, vous allez vous faire mal, mademoiselle Herpès. Qu'est-ce qu'il faut lui faire dans ces cas-là? Il y a un petit truc peut-être à faire. Oui, il y a un truc. Qu'est-ce qu'il faut? Je suis en train de m'écraser le pied. C'est comme ça qu'il faut faire, je crois. C'est comme ça, absolument. Oh, c'est quoi ça? Oui, des fois, je tiens pas ma force. Oh, la vache, faut pas que tu fasses médecine, toi. Écoutez, mademoiselle Herpès, ça va mieux? Vous saviez pas que vous alliez avoir le grand patron sur vous? Non, il vous écrase. Attends, je suis en vacances. Il vous écrase. Il n'y en aura plus. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que pour que je me sente mieux, petit bouche à bouche. Non. Écoutez, il ne vous fera pas de bouche à bouche. Laissez tomber. Non, faut pas l'avoir comme ça. Écoutez, bon. La déchéance. C'est vraiment parce que la série est finie pour Francis et que là, vous êtes attaché. Non, c'est fini pour Francis. Donc ce que je vais faire, mademoiselle Herpès, Francis ne peut pas, moi je vais vous le faire. Donc je vais vous faire ce bouche à bouche parce que bon, c'est pour... Qu'est-ce qu'il y a? Non merci, j'ai embrassé les plus grands, c'est pas pour embrasser les plus petits. Sortez-moi d'ici, j'en ai rien à fiche. Bon, c'est le grand patron ou rien du tout. Eh bien écoutez, merci mademoiselle Herpès. Donc attendez. Oui, je vous en prie, attendez. Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de Question pour un champion présenté par Coé Le Perse. J'adore écouter les Queens Against Celebration. Ouais, j'adore ça. Restez avec nous dans un instant, ne bougez pas, il y aura tout le monde. Ouais. Ah, je dis oui, il y aura même Cécile, il y aura tout le monde. Comment ça va, Cécile? Ça va bien, tranquille. Ouais. En gros, je vous rappelle que vous jouez pour un magnifique cadeau. Il s'agit en effet d'un livre de recettes qui mélange cuisine bretonne et chinoise, un ouvrage écrit par Gaël Kerouan et Lifuntrik, intitulé Les Dolnem. Attention, est-ce que vous êtes prêts? À l'indice. Ça, c'est limité. Aladdin s'affiche en bas de votre écran, attention. Est-ce que vous êtes prêts de m'arrêter à tout moment dès que vous avez la bonne réponse avec ce buzzer qui est devant vous? Bien sûr que vous voyez, beau buzzer, très beau buzzer d'ailleurs. Est-ce que j'aimerais bien écouter les Cool and the Gang? On peut écouter, ouais, Cool and the Gang, on peut écouter. On écoutera ça plus tard. Ça va Cécile, t'es là, Cécile, j'avais pas vu. Attention, on est parti. Attention. Ouais, wouh, t'as vu ma chemise. Alors on y va, attention. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je le fais ça? Ah oui. Est-ce que je fais ça? Ça se voit moins parce que t'as les bras plus courts. Ah mais oui, bien sûr. Attention, Angoune. Top, c'est parti. Top, je suis une petite crêpe de farine fourrée de petites boulettes de viande de porc, de poulet ou encore de chien ou encore d'autres ingrédients tels que soja et vermicelle. Une fois roulé, je ressemble à un pénis tout petit comme ça qui sort de la piscine en hiver. Je suis. Boulet de printemps, il a répondu, plus vite. C'était des nèmes. Oh là là, mauvaise réponse, comme c'est dommage. Oh, très beau livre proche à côté de vous, comme c'est dommage. Oh là là, c'est pas facile. Question pour Bruno Solo. Bruno Solo, vous jouez pour un très beau livre. Un livre intitulé Mes plus beaux succès. Écrit par Bernard Montiel, un livre de 2 pages, écrit en gros. Attention, c'est parti. À l'indice en bas de votre écran. Attention. Pas évident. Top. Je suis tout en longueur, les hommes commencent à me tripoter vers 14 ans. On aime mastiquer en public, mais aussi seul dans sa chambre ou parfois au coin du feu. Je suis marron avec un trou au milieu, je suis... Oh la vache. Je suis marron avec un trou au milieu, je suis... Une pipe. Ah non, c'est une guitare. Oh là là, oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Xavier? Mon possible. Ah, je dis, ouais, c'est super, ouais.
ouais, vous aimez Question pour un champion, ça vous plaît, vous? J'adore, c'est vous culte. Vous aimez les boîtes de jeux, les cadeaux, tout ça, ouais, 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 c'est la folie. Vous jouez maintenant pour le livre de Dev, les meilleurs coups de pédale du Tour de France. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, très beau livre, un très beau livre qui serait une très belle collection pour vous, attention. Ah, ouais, 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 ah, j'ai pas encore de la question, attention. Ah, j'étais déjà dans le fait que vous ayez gagné, top. Attention, je suis chaude, bouillante, mais parfois plus froide. Je me fais souvent empiler, on aime me remplir avec toutes sortes de liquides. Beaucoup d'hommes me tiennent par la queue, on me trouve généralement en cuisine, je suis... La casserole. La casserole, bonne réponse, ah ouais, bonne. Là, vous jouez pour l'encyclopédie historique. Ah, fait, des shorts en cuir en Bavière, en 80 volumes de 900 pages, sans aucune photo. Attention, c'est important, aucune photo. Attention. Top. Je suis un des principaux attraits de la Bretagne. J'interviens tout au long de l'année, je suis très demandé dans les restaurants ou dans les bars. Je suis liquide à la base, mais on peut me trouver sous forme de galette. Je suis la crêpe. Le phare breton. Eh non, l'apéro. Non, c'est l'apéro. Eh non, l'apéro, à la fin, on peut me retrouver en forme de galette. Eh ouais. Ah ouais. Ah ouais. C'est horrible, c'est horrible. Que nous avons regardé pour nous. Merci à vous tous, merci, c'est très bien. C'est une question pour un champion. Voici la première question. Regardez bien comment s'appelle cette figure. Petit A, le je vais mourir. Petit B, le je vais faire sous moi. Ou petit C, le comment qu'on s'en sort. C'est technique, hein, c'est très technique. Le comment qu'on s'en sort. Bonne réponse. Le comment qu'on s'en sort. Bravo. Attention, voici la première image. Comment s'appelle cette technique défensive? Petit A, le blocatub, le ping-pong, le ping-ball show ou le marquage à la culotte? Oui, monsieur Foucault. Marquage à la culotte. Bonne réponse, monsieur Foucault, à quoi? Quelle attitude devez-vous adopter dans cette situation? Réponse A, vous éloignez du véhicule car le conducteur n'a pas de visibilité. Réponse B, faire demi-tour si vous voulez aller à la montagne. Réponse C, klaxonner pour lui signifier que son airbag s'est déclenché. Ou petit D, surtout ne rien faire, le requin vert a l'air super méchant. Mireille Mathieu. Petit A, Mireille a mal au cou. Est-ce que c'était le titre? La perruque se barre. Ou l'aventure américaine? Non, là, c'est l'aventure américaine. Comment s'appelle ce phénomène? Petit A, une bonne grosse gastro. Eh oui, même chez les pilotes, un Mac 2, une gastro, ça peut faire mal. Hein. Petit B, le passage du mur du son ou l'aspiration par un trou blanc? C'est la réponse B, là. Le passage du mur du son. La question, quelle manœuvre reste-t-il à exécuter pour conclure ce créneau? Petit A, reculer encore de 30 cm, il y a largement de la place. Petit B, racheter les courses qui étaient dans le coffre. Petit C, préparer un constat. Ou petit D, rien. Vous aviez toujours rêvé d'avoir un coupé de place, donc ça tombe bien. Réponse C, préparer un constat. Non? J'ai qu'une chose à dire. Bonne réponse. Quelle équipe supporte cet individu? Petit A, l'Olympique de Marseille. Petit B, l'Olympique des Village People. Petit C, le PSG Football. Marseille. Dis donc, t'en veux une? Ça va pas, non? Ah ben, c'est les couleurs de Marseille. Eh bien, bonne réponse de Clovis. Une photo avec Bobby de Dallas. Attention, voici la photo. Le titre de Jour de France était Petit A, Mireille amoureuse de Bobby Dallas. Petit B, Mireille amoureuse d'un vendeur de voitures. Petit C, Mireille et Bobby kiffent le tuning. La vision... Non, genre pas... c'est pas là, non. Est-ce que vous pensez qu'ils auraient mis kiff le tuning? Non, je pense pas, c'est pour ça. Vous n'employez pas beaucoup le mot kiffer, je pense, non, Mireille. Non. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, kiffer? Non, je ne sais pas. Vous n'avez jamais dit le matin, je kiffe la life? Non, je ne kiffe pas la life. Ça veut dire, j'aime la vie. Ah, j'aime la vie. Pour me faire plaisir, vous pouvez dire, je kiffe la life. Je kiffe la life. Très bien. Je te kiffe à l'italienne. Je te kiffe à l'italienne. Je voudrais te présenter des gens qui ne sont pas très, très, très contents. Ah. Ils ne sont pas ravis du tout. Où ils sont? Ils sont en loge, tu vas pouvoir les découvrir. Je voudrais te présenter ceux que vous avez oubliés sur le coin de la route. Tanguy et la verdure. J'aimerais. Ça va? Faut parler très fort. Qui est Tanguy? Qui est la verdure? Moi, c'est Tanguy. Moi, c'est la verdure. Très bien. Couche-moi bien, jeune puceau. Non. Vas-y. Écoutez, un peu de... Je vous en prie, il est plus comment jeune. Comment te dire à quel point on est déçu? Je vais t'assaisonner ta petite gueule au jus de mignon, tu comprends ça ou pas?
Je sais pas, dis-lui ce qui t'a appris ton petit-fils pour lui faire peur, là. Petit Kevin, je vais te m'arracher ta gueule, espèce de paltringue. Ah, ouais, c'est... ah oui, c'est marrant. Hey, oh bon, par... hey déjà, oh, déjà... Bah, hey, faut que t'ailles faire un tour chez le Merlan, et puis la piste. D'accord. Je disais, des jeunes dans des corps de vieux, dis-lui, c'est bien. Dis-lui, au revoir. Dis-lui ce qu'il t'a dit, le petit camp à l'oreille. Moi et mes sauces, on va te casser les beuges, on va te fumer. Moi et mes sauces, on va te casser les beuges. C'est impressionnant. Tanguy, la verdure, pas trop déçu de pas avoir été pris pour le film? Écoute-moi bien. Si tu veux pas que je te balance le giroflet à 5 branches dans la gueule, tu me laisses venir sur le plateau tout de suite, j'enfile mon casque et je te préviens ça. Oh putain. Je pense que monsieur Tanguy, on a perdu. Non, c'est pas celui-là. À bientôt. Eh ben mon petit Guy, vous êtes un grand penseur. Mon petit Guy. J'ai vu pas mal de trucs sur vous dans la presse, et en l'occurrence beaucoup de phrases qui m'ont fait pas mal rire. Celle où vous dites « je joue très bien les rôles de cons ». Lui aussi. Ça commence bien. Il y a les grands cons, les gros cons et les pauvres cons. Et vous vous estimez, vous considérez comme un gentil con. Bah alors. Et c'est quoi la différence entre... On est con. Il faut pas être, c'est un sale con. Ouais. Ah. Mais c'est facile de faire des cons parce que tous les hommes ont en eux pas mal de bêtises, pas mal de choses péjoratives. Et il suffit de se laisser aller. Elle est intrinsèque au genre humain. J'ai regardé le journal télévisé, il n'y a que des cons. Et ils n'arrêtent pas de se bousiller la gueule. Ça va la pêche sinon en ce moment? Oui, ça va. Attends, mais écoute, tu peux pas continuer tes conneries et puis laisse-moi parler avec madame. Avec madame Minibus. Voilà. Hey, Minibus. C'est facile à trouver la connerie en soi pour un acteur. Et vous avez une grosse connerie? J'ai pas fait d'applaudimètre là-dessus. Oh non, elle est pas si grosse que ça. Lui aussi, c'est un gros con, quelque part. Ah oui, oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais il est gentil. Il a un côté gros con et un côté gentil con. Voilà. J'ai un côté gros con, moi. Oui, t'es un gros con. Je t'emmerde, moi. Le gros con toi-même. Un gros con. Et moi, non. Non, les femmes, tu vois. Non, jamais. Ah ouais, d'accord. On n'a aucune idée, on parle beaucoup des salaires des gens de télé, de gens de Qu'est-ce qu'il y a? Non, bah, ouais, des gens, de variété, mais jamais de ténor ni de gens d'opéra. On ne sait pas si ça gagne bien un chanteur d'opéra ou si c'est... Les bons gagnent bien, les moins bons gagnent moins. Et vous êtes dans les bons? Moi, je suis dans les très bons. Je suis dans le plus payé, ouais. Bon, mais bon, c'est tout. Mais il y a d'autres disciplines qui gagnent plus. Mais est-ce que c'est un problème justement pour vous d'avoir un problème de notoriété, c'est-à-dire de ne pas être connu du public? Non, pas du tout, parce que vous savez bien que l'opéra, on ne trouve jamais de place, c'est toujours plein. Moi, je chante devant 10 000 personnes, c'est toujours plein et y a pas de problème. Non. Vous savez, Roberto, j'avais déjà vu qu'il se la pétait sans le savoir, mais là, vous vous rendez pas compte. Non, je dis la vérité. Écoutez, les très bons gagnent beaucoup d'argent. Je suis très bon. Bon. Moi, je chante devant 10 000 personnes, c'est toujours plein. Bon, bah. Moi, je vois que je vous ai observé là, parce que j'ai regardé la semaine dernière l'émission, parce que je connaissais pas l'émission, Moi, 2009, parce que je suis toujours à l'étranger. Et j'ai vu que vous aussi, vous la pétez dans votre émission. Tout le temps. Alors, tout le temps. Je me la pète de 10h30 du soir jusqu'à 1h du matin. Comment ça va, les gars? Bonsoir, monsieur Poète. Ça va bien? Ça va bien. Vous avez vu? Il y a eu du budget cette année. Hein. Votre ami, ça va mieux, le bras? Le bras, il va beaucoup mieux. Vous avez vu? Arme technologique, dernier cri. Vous voulez voir une petite démonstration de formation apprise par Kamel Ouali durant cet été? Ah ouais? Tout à fait. Kamel Ouali forme le. Bien sûr, je ne fais pas que l'instac. Vous êtes prêts, les gars? Okay. Attention, en position. Formation. Pyramide! C'est beau, ça c'est beau. Attention, c'est pas fini. Quelle grâce! Formation. Finlandienne! C'est plus que le patron. Formation, quart d'heure américain. Ça c'est bien, ça c'est beau. Wow, c'est beau. Les gars, faut vous reprendre quand même. Gardez-vous. C'est bon, ça, robot. Bon, ça va. Ça va. Ça va. Non, je pense que là, on va pas intervenir. Ah, une alerte peut-être. Ah non, ça c'est important ça. Ça c'est l'apéro. Ah oui, c'est important. Bonjour et bienvenue à l'école des femmes. L'école des femmes d'une jeune fille qui est là, qui s'appelle Laurie. Bonjour Laurie. Bonjour. Laurie a
3 ans. Qu'est-ce qu'elle te fait manger, ta maman? Plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses. Des frites? Oui, des frites. Elle te fait des frites. De la soupe. De la soupe. Des patates. Des patates. Bon, ça va, on va pas faire toute la liste. Alors, les enfants sont merveilleux. Ils sont merveilleux. Et t'as des cheveux blancs? Oui. Attention, elle pourrait partir quand même. Hein? Madonna, dont tu es fan. C'est pas elle, Madonna. Si, c'est non, Madonna. Non. Si, Madonna. Non. C'est plutôt Maradona, là. Pino, la note, Pino, pour Elsa. Deux jambons beurre, un soda, une assiette fraîcheur, les deux cafés, c'est pour moi 28,80. Les enfants sont formidables. Regarde, tiens, ça, qu'est-ce que c'est ? La même derrière, regarde. Hop. Ah, attention, mais ça suffit maintenant, là-haut. Pino, la note pour Elsa. Pino, êtes-vous prêt ? Oui. Sous vos applaudissements, Elsa et Étienne Dao. Très bien. Non, là, tu t'es lâché, là. Ah, ben, disons que je faisais mal Madonna. Oui, mais tu t'es lâché, là, quand même. Tu peux. Ouais. Par contre, tu fais super bien la majorette. Il est temps de se dire au revoir pour une prochaine école des fans. Lumière. Oh, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, Angoune. Je crois qu'il faut que je lui dise une question intelligente, là. Un truc qui la scotche, là. Quelque chose qui va ferrer tout de suite, là. Ça va? Oui. Oui, oui. Ouah, comme je suis trop fort. Bon là, ça y est, la première étape, c'est bon, j'ai marqué un point là maintenant. Faut que je lui pose une question, je vais lui montrer que je suis un mec hyper intelligent. Un truc de fou là. T'es venu en taxi? C'est vrai. Ah, t'es venu en taxi. Bon, là, ça y est, là, je crois que je l'ai accroché là. Vas-y mon coco, fais-lui le bon numéro là. Il faudrait que tu puisses la ramener ce soir à la maison. Ouais, vas-y, propose-lui un truc cochon, là. Un truc où tu vas être franc du collier, où elle peut pas s'empêcher de dire oui, et elle va être la femme de ta nuit, tu vas lui faire un truc de folie. Vas-y, chauffe bébé. Si un jour on allait au restaurant manger comme ça à midi, tu dirais oui? Ben, si je suis pas très occupée, oui, pourquoi pas. Je suis sûre qu'il croit qu'il va me ramener chez lui. Il n'est pas naïf, ce garçon, mais il est aveugle. Et voilà. In the pocket, elle est en train de craquer la gamine, comme on dit en Picardie. Et qui c'est le number one? Ouais, c'est Coco. Ah, toi, tu vas plus pouvoir te passer de moi. Qui a créé le Collaro Show? Roland. Collaro, Stéphane. Stéphane Collaro, c'est la bonne réponse. Voilà. Stop. C'est vrai, c'est fini. N'en faites pas trop, les filles, parce qu'après, ça va en passer dans le rouge. Très c'est fort, fini. Là. C'est fini. Attention, deuxième question. Combien y a-t-il eu de numéros de Corico Cowboy? Salaud. Je ne sais pas. Au hasard, du hasard. Ah, je sais pas, moi j'en ai fait une au hasard une douzaine.
Une douzaine. Il y en a eu 627. Non. Mauvaise réponse, Roland. Allez, 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 on reste concentré, ah ouais, on reste concentré. Mais franchement... Je tiens à signaler que monsieur a la fesse rouge. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ah oui, bon. C'est... L'autre, il a la fesse violette. À quel produit... à quel produit alimentaire faisait référence le surnom de Stéphane Collaro, tonton mayonnaise? Cornichon? Non, parce que ce que je voulais, c'est que le truc sorte, moi, du maillot. Je pense que ça devient... C'est du goût, là. La réponse était mayonnaise. Antoine, tu portes la barbe depuis tant d'années, t'essaierais pas de cacher tes petits problèmes d'acné. Je t'ai dit que j'attends toujours ma puberté, alors oh non. Ma mère, tu dis qu'il faut manger que des produits bio, mais est-ce que t'as déjà goûté au fast-food qui est sympa, vrai, qui est bon? Oh non. Non. Antoine, tu fais de la pub pour vendre des lunettes. Est-ce que des fois t'as rencontré des femmes à cake? Plusieurs. Ma mère, tu veux qu'on roule en voiture électrique, mais est-ce que t'as des rallonges pour aller jusqu'à Munich? Oh non. Antoine, depuis que tes cheveux, tu te les laisses pousser. Au niveau du pubis, est-ce que tu t'es rasé? Oh non! Oh la touffe, la Michael Jackson! Ah, parce que tu te rases, toi, là? J'entretiens. Ma mère, tu dis que les bateaux doivent pas dégazer, mais est-ce que toi, ça t'arrive des fois de te laisser aller? Oui, bien sûr. Et j'espère que ça t'est pas arrivé sur le plateau de la méthode Coé. Non, oh non. Oh putain, ça m'a fait peur. Merci, je vous demande d'applaudir Noé. S'en prie, Noé. Attention. Oh. Est-ce que... Oh. Eh bien... Il est temps de dire au revoir parce qu'il doit rentrer. Qu'est-ce qu'il y a? Je rêvais de rencontrer José Bové, c'est vrai. Ah oui, ouais, j'allais lui dire salut José. Oui. Oui, c'est vrai, hein. Ça peut être pratique pour boire. Hein. Fait, ça trempe là-dedans. C'est dégoûtant. Ah, c'est un mythe qui s'est... On dirait un film porno des années 70, c'est horrible. Arrête, c'est horrible. On dirait un bêtisier du porno. On va vomir toutes les deux. Alors, je vais regarder celui qui remue les lèvres. Donc, tu me regardes. Je regarde celui qui remue les lèvres, sachant que c'est... J'ai saisi. Bah, attends, bac plus 1 quand même. Attention. Ramzi, comment s'est passée ta première expérience homosexuelle? Ouh là là, monsieur, dis-le là. Vraiment. Tu sais, ça ressemblait à un poulet boucané, là. Éric? Bonsoir, Éric. Oui, je suis toujours là. Éric, pourquoi te rases-tu la tête? Tout simplement parce que si vous voyez la coupe que j'ai quand j'ai des cheveux, eh ben j'aurais beaucoup moins la cote et je pourrais plus faire le chat. Très bien. Fred, c'est quoi pour toi être français? Alors premièrement, pour moi être français, bon, la première chose c'est d'accepter, comment on dit, autrui.
C'est-à-dire de partager un petit peu ce pays qui est un mélange, un melting pot, comme on dit, de plusieurs choses. La France, pour moi, c'est le métissage, c'est le, l'avenir, c'est ça, c'est dans le métissage. La France, c'est la, la tolérance, parce que c'est un pays, c'est une terre d'accueil. Donc être français, c'est être accueillant pour ma personne. Merci, merci, merci. C'est Jean-Facile Fred. Omar, pouvez-vous me parler peut-être de vos convictions politiques ? Eh bien, pour commencer, je dirais que j'approuve le métissage, n'est-ce pas ? Je suis pour la régularisation des sans-papiers, n'est-ce pas ? Que l'on appelle outre-Atlantique les Without Papers. Je proposerai également aux prochaines élections le droit de vote pour les immigrés, n'est-ce pas ? Ramzy, rassure-nous, nous avions appris dans cette émission la dernière fois que tu avais eu quelques problèmes d'allergie extrêmement virulente. Exact, exact. C'est suite à l'utilisation d'un nem. Voilà, un cela... Petit nem, le plonger dans la sauce, ni sa mère, la sauce. Cela, cela n'a aucun... J'ai commandé à gonfler, ferme ta gueule, ferme ta gueule. J'ai commandé à gonfler, tu la fermes, ferme ta gueule, c'est ni ta hâte. Cela... Alors, Eric. Oui, bonjour. Eric, donc, je disais physiquement donc, au-dessus de Ramzy, comment tes fans féminines le perçoivent. La vérité, c'est que grâce à mon physique très parfait, je me permets de donner certaines femmes à mon ami Ramzy. Ah, ça, c'est trop sympa. Ramzy, justement. Ramzy ? Bah, faut que tu ouvres la bouche. Bah, dis un truc. Ah, faut que tu dis un truc. Vas-y, m'énerve. Bah, dis un truc. C'est vrai, si tu vas dire un truc. Non, c'est vrai que si tu vas dire un truc. C'est vrai que si vous n'ouvrez pas la bouche, si vous n'ouvrez pas la bouche, ça fera. Mais j'étais comme. Alors, c'est donc c'est moi qui ouvre la bouche avant. Mais oui, parce que c'est lui. Il faut que le son sorte. Excusez-moi, vous êtes qui ? C'est qui, je crois ? Que le son sorte. Toi, dis, commence, et moi, je peux suivre. Ah oui, d'accord, très bien. Attends, faut que je. D'accord. 3, 4, Ramzy, ça va toujours ? Franchement, je te dis la vérité, je suis un petit peu choqué par ce que tu as dit tout à l'heure. C'est mon physique. À propos de mon physique. J'aime pas qu'on nous taille, nous, la population chinoise. C'est fait un chino-bouillonnais. C'est comment bien nos chinoises. Ramzy. T'as bon, tout en bien. Ramzy, au niveau de la taille de ton membre, plusieurs femmes féminines nous ont dit que t'étais une taille au-dessus d'Eric. Il en souffre. Effectivement, j'ai une grosse teub. C'était pas facile. À quel âge, la première fois ? Que j'ai couché ? Tard. Non, non, non. Si. Non, non, 19 ans. Allez. Yes, plus tard que moi. Ouais. Quel âge, toi ? Quel âge ? 18 et demi. Et lui, c'était sous la menace. Et hein. C'était pas top, top. Enfin, pour moi, si, mais je pense... Non, mais c'était pas une urgence, je l'ai vraiment fait parce que, bon, il fallait dire comment ça se passe aux copains, je pouvais pas inventer, donc... Pareil. Pareil, tiens, faisons le tour rapide. David, quel âge ? 16 ans et demi. Ah, bien. Philippe ? Comme toi, moi, 18 ans. Ouais. Merci d'être solidaire. Christian ? 15. Manuel ? Ouais, il a une tête de tombeur. 16 ans et demi. Pas 8 ans. Au début, il a dit 16 ans et demi. Ouais, c'était pas ensemble. Non, pourquoi alors, tu cherches à savoir ? Je suis du Léry, quel âge ? Bon, David, l'année prochaine. C'est l'année prochaine. L'année prochaine, j'espère, si tout va bien. Je touche du bois. C'est pas encore arrivé. C'est difficile. Non, 10 du balai, comme toi. C'était avec toi, on est con, quoi. Toi, t'es qu'un ragard. À 18 ans, c'est Victoria, vrai. Victoria, quel âge ? 16. Comment il lui met la fleur dans l'œil ? Je crois que j'ai mis un coup de rose dans la gueule. Ah, j'allais dire, t'es en train de l'éborgner, là. Ça va, Victoria ? Bon. Ouais. Je peux venir à côté de vous ? Oui. Tu peux... Non, mais il faut pas être pressé. Tu peux commencer par les pieds. Attention Victoria, il va faire la bombe. Restez avec nous, dans un instant nous revenons avec Victoria Abril dans ce lit de mes fantasmes. Vous avez laissé le prix Victoria. Et donc, restez avec nous, dans un instant, tout continuera dans ce lit. On reste là, on est bien. Ouais. Restez là, tout de suite, ne bougez pas pour la suite de la méthode Quiz sur Victoria. Bienvenue pour la suite de la méthode Chloé avec la sublime Victoria Abril. Victoria, puis-je venir, Victoria, avec toi dans ce petit lit gonflé à l'eau ? S'il te plaît.
Mais je vais essayer de venir discrètement. Ouais. Oh oui. Demain matin, si je me réveille, enfin on se réveille tous les deux côte à côte. Ouais, j'espère que tu seras mieux. Il vaut mieux que l'on s'embrasse fougueusement ou que j'aille d'abord me brosser les dents. Bon, sinon j'ai amené ça. Merci. Okawa. Okawe, pardon. Est-ce que en Espagne, on embrasse de la même façon qu'en France, avec la langue dans le sens des aiguilles d'une montre? En Espagne, c'est plutôt le français complet qu'on aime. C'est-à-dire? Un poquito por aquí. Ah, un poquito dans l'autre sens. Un poquito por allá. Allez, on bouge la tête alors. Faut pas oublier qu'on est toujours deux. D'accord. On a deux parties, deux nichons, deux fesses, deux... Victoria. Deux petites... Là, c'est bien, tu vois. Là, quand tu travailles ce côté-là et ce côté-là, tu vois, tu fonces la langue là. Tu la chatouilles comme ça. Donc, ça t'est fait tout de suite une banane. Mmh. Hein? T'es fait la banane. Voilà. Voilà, et puis après de l'autre côté. La langue, avant de la rentrer dedans, il faut quand même que tu mets un paire de banderilles bien mises. D'accord. Tu vois? Mais j'arrive, je t'enfonce. Non. Non, El Picador, ça arrive plus tard. Oui, mais enfin, c'est pas gênant quand même. Enfin, c'est sympa aussi des fois. Hein? Victoria, est-ce que des fois, il faut qu'on te parle espagnol au lit? Bon, tu parles ce que tu veux. D'accord. Je m'en fous. Picard. T'as jamais parlé à Picard, hein? T'es bien saoul, hein? Oh, ouais, c'est bon, saoul, hein? T'es bien saoul, hein? Jamais, hein? Ah, moi, je te tenais net, t'es bon, là, oh. J'ai un petit cadeau pour toi. C'est vrai? Groom, s'il vous plaît, le cadeau. Oui, je suis généreux, je suis, oui. Voilà le cadeau. C'est quoi? C'est les capotes, vous m'avez demandé. Non, c'est pas ce que j'ai demandé, ça. Vous avez les capotes? Mais dis-moi, t'as pas que ça. Avec la king size. Hein? Si j'ai pas quoi? Exagéré, non, c'est ma taille. Ça, à moi, tu me l'aimais pas, hein? Ah, mais à moi, si. Hein, mais... Ah, vous savez, c'est l'hiver. C'est l'hiver, il faut rien. L'autre, j'ai raté. Deux, trois, lumière! Mais ça va, ton lit! T'es en forme ou pas? Bon, si tu es beau, comme ça! Mais tu es ton lit! Ça va bien? Allez, force Picardie! Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, ton lit? Alors, je vous explique le problème. Il y a cette enflure de brognard. Oui, brognard, on va te faire la peau. On va t'arracher la tête, après on va te faire caca dans le cou. Ouais, ouais. Et dans les trous de nez. Et dans les trous de nez. Oui, il est là, brognard! Oui, oui, brognard! Attention! Alors, on est féroce! On va te bouillave! On va te. Ouais, fais gaffe quand même! Parce que ça peut. Hop, comme ça, ça va chicorer la chicorette! Ouais! Alors, t'as très bien compris! Et moi, je sais où j'habite! Bon, alors, les gars, on se fait! Est-ce que vous voulez qu'on aille sur Koh-Lanta? Oui. On n'attend pas! Est-ce que vous voulez qu'on y aille? Avec mes copains de la cité, Benny Brognard. Moi je suis trop un fou, je suis trop mastoc. Je vais te faire bouffer même mes dents. Ça va être un truc de ouf, tu vas voir, c'est grave. Jamel. Hello. No, it's just to have you during 2 minutes around us. De nous avoir vous à côté de nous deux minutes comme ça, ouais. Before your interview. Jamel, il a perdu l'usage de la parole. You are sublimissime. Comment tu dis sublimissime? Marvelous. Very pretty. Comment on dit? Very pretty. Fantastic. Very pretty. You're very pretty. Merci. Thank you. You have, thank non, merci. C'est moi qui dis. Lui, c'était très bien. You are very, very, very pretty. Vas-y, fais semblant que tu parles, je parle pour toi. Ok, ok, listen. You are very pretty and I would love to see you later on if you have the time. Jamel, ça va? Non, mais moi, je vais pas... Non, mais ça marche aussi pour toi, pas besoin que tu me traduises, moi. Tiens. Jamel, à toi. Jamel, Danny Minogue, Jamel. I want to fuck you. Non. Non, Danny, j'ai envie de te dire. Non, Danny, allez, j'y vais, non. J'y vais, Danny. Oh.
m'excusez pas. Merci beaucoup. Hein. Apologize, Dani. Oh là là. Non, mais, attends deux secondes, j'arrive. Dani, viens voir, madame. Dani, Dani, it was a joke. J'ai acheté Dani. Tous les albums de ta sœur. I'm sorry. It's Jamel, not me, it's him. I'm very sorry. Françoise Minogue. Jamel, elle veut revenir, mais faut que tu te taises. Son prénom. On attend. Alors, ok. Micheline. When Jamel is go back, when Jamel is gone. After Jamel, you come back. Non. Elle veut plus te voir. When is Jamel here, you okay. here. Bah, bah, excuse alors, me, hein, excuse me, Jamel. Quoi? Mais. I just want to say, I want to fuck you. Non. Est-ce que vous avez déjà triché sur vos performances sexuelles? Pourquoi tu regardes? En disant, moi je suis un cadeau. Franchement, faut être con pour tricher sur ses performances parce que tu triches avant et après tu fais quoi? Bah oui, il y a toujours un moment où. Bon, non. Non, mais attends. On peut tricher sur la taille. Ah, sur la taille? Oh non. Non. Pourquoi c'est important d'en avoir non, mais on peut tricher sur la taille. Vous pouvez réduire aussi, hein. Je sais pas, François. Et ça, c'est... Non, mais ce que je veux dire, c'est que la dame... François, il peut pas, François. La dame, elle ne va pas bien mesurer. Franchement, on se regarde entre les deux yeux. Ouais. Et c'est vraiment si important, ça, d'avoir un rocco entre les jambes. Oh oui, c'est important. Moi, c'est si je m'inhibe, je trouve que c'est très important. Non, pas du tout. Non, c'est pas important. En dessous de 40, je regarde pas. Les garçons ont tendance... Les garçons ont tendance à dire que... Ah, ils sont complexés. Non, non. Non, franchement. Non, mais lui, non. Il dit qu'il en a une toute petite. Comme ça, quand la dame arrive, elle a l'impression qu'elle est énorme. Ouais. C'est une bonne technique. Hein. Je te dis, je vous la donne. C'est une très bonne technique. C'est hein. une très bonne technique. Quand ouais. systématiquement vous dites, elle est toute petite, il y a un moment, elle fait, mais elle est pas si petite que ça. Non, je vous assure, c'est pas. Bon, ça en fait pas une géante non plus, mais est-ce que vous avez. Vous faites partie de ces gens qui se la scotchent pour éviter non, tout problème. Non, je fais pas partie des gens. Je suis le premier à avoir innové ça. Ah, c'était pendant le film avec Brigitte Bardot. C'était Colino Trousse-Chemise. Qu'est-ce que tu veux faire? T'as 15 ans, t'as 10 ans, t'as... Bon, pas 10 ans, mais enfin 10 ans, 15 ans, 18 ans, et tu as la femme, la plus belle femme du monde qui est Brigitte Bardot. La plus belle femme du monde. Hein, ouais. Sublime dans le monde entier. Et puis, il se trouve que Nina Companès tourne donc un film et je dois me retrouver tout nu, avec Brigitte toute nue, dans un lit pour la dernière scène du film. Et puis, je me suis mis une petite fusée de scotch au bout. Quoi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Clara, j'ai envie de te poser des questions. Oui. Pour savoir si, bon bah, sexuellement parlant, je vais te faire des trucs. Tu vas me dire si tu as déjà fait. D'accord. Le faire devant une cheminée, sur une peau de bête. Voilà, tout de suite, non. Ah, mais là, on est dans un studio de télé. Mais oui, non, même cheminée. La même configuration et tout, c'est pas très... D'accord. D'accord. Dans une loge avant une émission de télé. Ah. Déjà fait ? Non, jamais fait. Ouf. Dans un parking souterrain. Ah, déjà fait. Bah oui. Bah oui. Il y a longtemps ? Ouais, un petit peu. D'accord. Je vais me détendre un peu, Clara. Hein. Détends-toi, je t'en prie. Qu'est-ce qu'on disait ? Devant une webcam, Clara. Non. Jamais ? Non. D'accord. Dans les toilettes d'une discothèque. Ah oui, d'une discothèque, d'une gare, d'un aéroport. Ah bon? Non, mais ça, c'est... Ouais, c'est... Ça, ah oui, ça a été le cas, ça a été ça. Ouais. Ah bah bravo. Ah bah. Dans un ascenseur. Aussi. Alors? C'est bien. C'est bien? Ouais. Dans une voiture. Oui. Boîte auto ou boîte méca? Méca. Toi ouvrant, pas toi ouvrant? Oui. Cuir ou velours? Cuir. Clim ou pas clim? Clim. Deux portes ou quatre portes? Toutes les options, cherche pas. D'accord. Les filles ne regardent que les mecs très beaux quand elles sont jeunes. Elles sont insensibles au charme et à l'humour. Elles trouvent que l'humour, c'est drôle. Elles ne trouvent pas que c'est charmant, les jeunes filles. C'est pour ça que je préfère les femmes plutôt mûres. Et du coup, après rien ou vous avez enquillé sur plein d'autres filles? Non, bah après, j'étais plus à l'aise avec les garçons. Et puis après, je ne me suis pas complètement reconnue avec les... Carfenu. Avec les garçons, et puis j'ai fait des allers-retours. Ça se résume souvent à ça. Souvent. Et puis, c'est vrai qu'une fois, j'avais zappé une fois, je t'avais entendu dire qu'à l'époque où t'étais super connu, t'étais avec quelqu'un et tout s'était super bien passé. Enfin, c'était une, comme on vit tous, hein, des moments d'amour dans un lit. Sauf que la personne t'a pas reconnu tout de suite. Je ne m'a pas reconnu tout de suite, on était très embrumés. Oui, moi, j'ai dit, si tu veux coucher avec moi, ouais, d'accord. On couche ensemble, la personne ouvre les yeux à un moment, il fait « Oh, Paul Mott !»
Et on a repris. Voilà, là, ça n'empêche pas. Alors, question de mademoiselle Cécile 2M. Je ne vois pas. Cécile 2M de très, Paris. Très intéressant comme question. Une question qui est arrivée cet après-midi. Monsieur Magimel, êtes-vous célibataire? Non. Alors, je vais donc lui répondre. Je dois quitter cette émission, excusez-moi. Dans le cul, Lulu. Très bien, c'est un code. Je dirais pas j'aimerais bien, parce que ça va pas passer, mais... Bon, pourtant, ça peut passer. Voilà, voilà. Monsieur Jeu, deux mots. Un jeu de mots. On va se bidonner. Qui a dit la dernière fois que j'ai pénétré une femme, c'était en visitant la Statue de la Liberté? Michael Jackson? Non. Non, c'était la même chose, mais c'était pas ça. Cinéaste. Américain? Oui. Woody Allen? Oui, Woody Allen, bonne réponse, c'est Clémentine. Attention. Question de Madame Bonbaiser de Fort de France. Madame Bonbaiser de Fort de France. Qui a dit « Je suis poisson, c'est le liquide qui me soutient et c'est la queue qui me dirige ». C'est moi. Oui, bonne réponse, c'est lui, c'est Carlos. Ouais. Il le fait très bien. Question de Madame. Quand il rit, surtout. Oui, quand il se parle. Question de Madame. Quelle gourmande est en plus elle? À Laval. Non. C'est la ville. On se moque pas des noms de famille. Qui a dit... La classe à l'américaine. Qui a dit... Si tu n'es pas capable d'avoir de l'humour, tu ne rencontreras jamais la femme de ta vie. Alors ça, je pense que c'est moi. Oui, bonne réponse de Michel Bouzard. Question de monsieur Tintin au Congo. Ça sent le manque d'imagination. Hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Qui a dit ? Mais oui, à la mer aussi. Qui a dit ? Bah oui, c'est pour la semaine prochaine. Qui a dit ? Qui avale une noix de coco fait confiance à son anus ? Ah, ça, je sais. Ah, ça, dès qu'il y a des histoires de noix de coco et d'anus. Ça me rappelle des trucs. Qui a dit ? Qui avale une noix de coco fait confiance à son anus ? Ah, ça, excusez-moi. Un proctologue. Je ne veux pas savoir qui peut dire. Moi, je ne veux pas savoir qui a dit ça non plus. Oui. Non, ce n'est pas un proctologue, non, c'est un journaliste. Journaliste. Ah bon. À iAfrique. Il s'appelle Joseph Anjou. Eh oui. Ah. C'est son vrai nom, c'est Joseph Anjou. Eh oui. C'était les grosses têtes. Merci, au revoir, à la prochaine. Est-ce que tu franchirais le pas ou est-ce que tu n'es pas encore prêt pour aller passer tes vacances dans un club de naturistes? Je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Il faut que je dise que je suis prêt. Ah non, pas du tout. Je suis prêt. Non, parce tout à fait. Je pense qu'il était en train de t'imaginer. Non, j'étais en train de me dire que moi non plus, je ne serais pas prêt. Ouais, ouais. Je pense que je serais incapable de. Ouais. Qui l'a déjà fait? Là-haut, voilà, mademoiselle. Très bien, vous êtes la seule naturiste du plateau. Pierre a fait une plage naturiste. Ah bah Pierre, faut le dire. Alors, c'était bien? Mais c'était pas un club. Je me vois mal me trimballer au supermarché. Un club. Ah, parce qu'elle fait comme ça, la tienne. Il a raison, moi j'ai déjà vu des reportages sur les clubs où tu vas faire du sport, du vélo, du tennis. Où tu les vois de derrière, non, c'est terrible. Et les courses c'est terrible parce que tu vas au rayon fruits et légumes, les mecs ils ont quand même la vitale. Ce que j'adore, c'est le ping-pong. Il y a quand même des fesses qui trempent dans les fruits quand même. Ouais, imagine dans les carottes, je prends, ah celle-là c'est la mienne, c'est pas une carotte. C'est horrible. Pourquoi ton avis est-on sorti? Range tes seins. Vous êtes exhib-exhib? Ouais, très exhib. C'est-à-dire, là, par exemple, hein, autour. Ah non, là. non. Quoi? Attends, moi, il paraît que... Non, parce qu'après... C'est-à-dire que là, quelqu'un autour de la table dit, tiens, et si vous enleviez votre t-shirt, vous le faites, ça vous gêne pas? Exactement. Mais vous le faites même par plaisir? Ah ouais? Non, parce que Shaggy, il a eu 8 heures d'avion, il a les patates au fond du sac, alors... Le t-shirt, vous faites? Voilà, donc c'est une invitation à enlever mon t-shirt en quelque sorte. Ah, pas du tout. Oui. Non. Attendez, enlevez le micro parce qu'il va pas aimer. Je vous en prie. Mettez-le là en attendant. Moi, oh là, je regarde pas ça. Si vous avez chaud, hein, bien sûr, c'est si vous avez...
bien. Quand même. J'ai rien demandé. Romantic. Yeah. Every fantastic. Everybody trying to make them. Fantastic. Stop. Bah alors, oh. On peut autre, cette heure-là, ça. Une autre. Hey, c'est celle-là que je chantais. C'est celle-là. Welcome in France. Transformation. Bon Marlène, ma fille, on dit qu'il vaut mieux se fier à Dieu qu'à ses saints. Vous allez me dire, à part dans la piscine, dans quel endroit vous l'avez déjà fait? Partout. Attendez. À part pêcher de luxure, Marlène. Oui. Est-ce que vous avez pris du plaisir à pomper en Guyane? Oui. Deux. Je vous donne des propositions. Attendez. L'avez-vous déjà fait dans un parking souterrain avec caméra de surveillance? Je savais pas s'il y a des caméras, mais je l'ai fait dans un parking. Dans un ascenseur? Oui. J'en garde un bon souvenir à part. Ah bon? Je sais pas. C'était bien? Oui, j'étais bien. Combien d'étages? Bon, on avait appuyé sur stop, on l'avait bloqué. Préférez-vous une petite travailleuse vigoureuse ou une très grande mais relativement qui fatigue vite? Je préfère la grande, mon père, parce que le travail, je le fais moi. Si on t'avait proposé de faire l'amour dans le fauteuil de la méthode Coé, est-ce que vous l'auriez déjà fait? Avec du monde ou sans monde? Avec le public? Alors imaginons avec le public. Non. Sans le public? Pourquoi pas? Sortez tous! Que tout le monde sorte! Je demande! Évacuation! Il y a un incendie! Oui! Il y a un incendie! Il faut sortir! Que tout le monde sorte! Ouais, bah c'est ça, vous avez envie de me griller mon plan, c'est ça, hein? As-tu déjà joué au Pouilleux des habilleurs? Oh, c'est bien le style, ça. Ah non, ça le Pouilleux des habilleurs, il y a longtemps, il y a très longtemps. Là. Oh, est-ce que t'as déjà joué au Docteur quand t'étais plus jeune? Ah ça, oui, sans doute, oui. À Chabit. Non, je pense que c'est ça. Comment ça s'appelle? Chabit, jamais joué? C'est le Pouilleux des habilleurs, mais version gynéco. Non, je sais pas ce que c'est. Allez, on y va. Vas-y. Lève-toi. Faut que tu montes. Je te montre. Alors, on est comme ça. Julia, il y a un peu d'attouchement. Non, pas du tout. Il y a des attouchements. On est comme ça. Non, mais arrête, il n'y a pas d'attouchement. On est comme ça, on fait. Tu sais ce que tu voudrais jouer à Chabit? Je sais pas ce que c'est. Chat! Oh, c'est normal, je sais jamais ce que c'est, mais moi j'ai un truc sur toi, tu me diras si c'est vrai. Il paraît que quand tu n'aimes pas certaines personnes et qu'en plus tu les invites chez toi, tu leur fais une catégorie de gâteaux. Un peu. Ils sont un peu particuliers. Effectivement, il y a longtemps, avant de faire du porno même, quand, j'avais des copines qui venaient chez moi que par intérêt et je leur foutais du sperme dans les gâteaux. Je récoltais le sperme. Mais c'est très drôle comme jeu. Quand est-ce qu'on fait caca dans la mousse au chocolat? Alors, je fais pipi dans les sangrias. Pipi dans les sangrias. Ouais. Mais je. Eh ben, on est bon pour le tome 2 de mon affaire appuyée en scène. Ne faites pas ça chez vous, bien sûr. Ne faites pas ça chez vous, c'est non. Cette scène est réalisée par des cascadeurs. Ne tentez pas de la reproduire chez vous. À consommer exactement avec modération. J'aimais pas ces filles-là, quoi. Mais c'est vrai, sérieux. Mais pourquoi tu les invitais chez toi? Je sais pas, elle s'invitait toute seule, les gâteaux. Mais t'es malade. Mais pourquoi? C'est super pour et c'est à ce moment-là que Gynéco est en train de se dire, j'espère qu'un machin m'a invité chez elle. J'en ai repris du gâteau. Jure-le que c'est vrai que tu fais ça. Ah ouais. Non, je le fais plus maintenant, j'ai plus le temps de le faire. Mais c'est vrai. Mais attention à ces îles flottantes, quand même. Tu es donc une experte en Kamasutra, c'est vrai? Ouais, mais je connais pas mal de trucs sur le Kama Sutra. La position préférée, pendant que nos amis vont installer un écran, la position préférée du Kama Sutra? J'aime bien la position du grec. Du grec.
La position du grec, c'est quand tu manges un grec, ça. Non, non, c'est une jambe qui est tirée. Autre position du Kama Sutra. S'agit-il du petit jiti, le petit A du missionnaire en RTT, petit B le tapatakapote, ou petit C le sans risque? Je pense que c'est le sans risque. Le safety sex, le sans risque, bravo. Bravo. Autre photo. De quoi s'agit-il? Petit A la langue de chat, petit B le gonfleur, petit C le faut surtout pas péter. La langue de chat. Réponse A. Bonsoir, 44%. Alors donc, oui? La langue de chat. La langue de chat, nous vérifions. Bonne réponse. C'est la bonne réponse. Attention. Petit A, s'agit-il du Koh-Lanta? Le Thor la tub ou le body trainer? Non, mais de quoi vous voulez me faire remarquer? Parce que je me suis dit, déjà, je suis une arabe. J'arrive en télé. On va pas m'accepter. Donc si je mets un petit chapeau, un truc... Un petit, c'était comme ça. Attends. Mais mec, derrière, disait toujours, écoutez, s'il vous plaît, madame, on voit pas. C'est vrai qu'au départ, je me faisais engueuler en télé. Ah bah oui. Eh bien, il y avait quelqu'un d'autre qui voulait te dire un petit coucou en direct des loges. La femme en France spécialiste des chapeaux. Ouais. Ah, Geneviève. Geneviève, vous m'entendez? Bonsoir, bonsoir à tous. Ah. Bonsoir. Geneviève. Bonsoir mon petit Sébastien, comment vas-tu? Bonsoir Geneviève, je vais très très bien. Oh non, moi je vais pas bien du tout. Pourquoi? La petite Geneviève, elle est meurtrie. Ça va pas. Pourquoi? Déjà tous ces problèmes avec les miss, mais enfin bon, on en parlera pas. On en parlait pas. Mais en plus, la petite jeune là avait volé la place de la vieille ou quoi? C'est moi qui étais sur la place avec les chapeaux. J'ai connu Bernard Chapeau en 1885. C'est lui qui me l'a fait, mon premier chapeau. Tu voleras pas ma place, ma petite lame. Tout le monde dans la famille met des chapeaux depuis toujours, même mon fils Xavier. Xavier met des chapeaux, regardez son chapeau. C'est pas le même. Mais... À poil, à poil. Mais qu'est-ce que c'est que ce chapeau? Ça va pas avec le reste de tes vêtements? À poil, 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 à poil. Enlève-moi ça. À poil, à poil. Ça va pas le même. Non, non, donc, Xavier, enlève le chapeau, mon Xavier. Xavier, c'est, là, c'est le chapeau qu'il faut enlever, Xavier. Non, 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 non. Xavier. Bonjour Yvette. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, vous êtes content de rencontrer Yvette Horner? Je ne sais pas trop mon sosie. Comment? Je ne sais pas trop mon sosie. Vous n'aimez pas trop votre sosie? C'est vous qui êtes un peu sosie d'Yvette, non? Oh non. Pas du tout. Oh non. Je suis l'original. Mais elle a des difficultés pour parler. Bah oui, tu entends bien. Parce qu'elle est très vieille. Elle est très très vieille. Mais c'est parce qu'elle n'a que 5 dents, mais elles sont très grosses. Soit énorme. Alors. Pardon, alors. 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 Fais tes exercices de doigts avant de commencer comme il tient. C'est pour se détendre, c'est pour se détendre. Vas-y Yvette, on y va. Va faire Yvette Horner. Et je te dis qu'à cette chanson. On comprend pas quand tu parles. C'est parce que j'ai des grandes dents. Yvette. Au revoir Yvette, à bientôt. Wow. Moi je vais vous montrer le vrai calendrier. Ouais. Oui. L'original, puisque Clara a montré le sien. Christophe vient représenter les joueurs. En plus c'est pour une bonne action, on en reparlera. Eh bien moi je voulais vous montrer le mien.
mon calendrier 2006. Voilà, alors j'ai pris quelques photos comme ça au hasard. Je peux ou pas? En toute humilité. Bien sûr. Hein, en toute humilité, alors je vais vous faire découvrir ces photos. Oui, oh, bon alors je vais les feuilleter comme ça rapidement. Hein. N'hésitez pas à arrêter si vous trouvez ça à un moment donné super bien. Voilà. Alors... Zéro retouche, hein, vraiment. Zéro, rien à voir. Bon, bah ça c'est moi, la sortie de la douche. Bon, ça c'est moi, juste avant l'émission, j'étais en concentration. Voilà. Il y a des moments où je me suis épilé. Bah, par exemple, je m'étais épilé, puis je porte un nouveau slip, je voulais absolument le voir. J'étais en concentration, mais je pense qu'il me serrait un petit peu quand je revois les photos. Bon, alors il y a également moi là, avec des tatouages, puis j'étais passé chez le tatoueur. Donc je m'étais fait ça. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, ça c'est moi avec des cheveux aussi, puisque je suis le seul animateur qui enlève ses cheveux pour faire une émission. Voilà. Oui, c'est... Tu lui ressembles à lui, hein? C'est sûr, là, tu lui ressembles, hein? Bon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, ça c'est moi chez le médecin. J'attendais ma piqûre. Viens pas. Chez le proctologue. Voilà, enfin c'est quelques photos de mon calendrier, hein, disponibles partout. Bernard, vous êtes là? Bonsoir. Oui, Bernard. Ça va? Ça va, ça touffe? Ça va, ça touffe à d'off ou pas? Ça va, Bernard? Je la touffe grave. Ça va, ça touffe grave? Monsieur Dominici, comment allez-vous? Très bien. Dominici, pas Dominici. Dominici, on dit chez nous. Dominici. Ça va, ça touffe ou bien? Ça touffe. Ça touffe. Moi aussi, ça touffe grave. Je voulais vous présenter quelques petits projets de calendrier. Ah, des calendriers Bernard Nathaniel? Exactement, je vais vous montrer ça tout de suite. Qu'est-ce que... Bernard. Alors, calendrier 2006 pour la rentrée. Un calendrier avec des grosses pipes. Pardon ? Un calendrier avec des grosses pipes dessus. Comment ? C'est-à-dire c'est calendrier 2006 des plus grosses pipes. Ah, d'accord, bien sûr. Oui, sinon, là ça va, très bien. Un autre ? Oui, tout à fait. Alors là, j'ai fait les plus grosses bites. Pardon ? Les plus grosses bites de... Le calendrier des grosses bites de 2006. Exactement. Bon, c'est pas la plus grosse, c'est ah, Damarage, le port de Boulogne-sur-Mer, je reconnais. Tout à fait. Et sinon, là, vous allez être content, monsieur Coué. Je vous en avais déjà parlé une fois. C'est quoi ? J'ai dégoté les deux plus belles chattes de Paris. Comment ? J'ai dégoté les deux plus belles chattes de Paris, vous avez jamais vu ça. Il y en a une qui est un peu plus poilue que l'autre. Mais... Ouais, c'est toute mignonne, calendrier 2006 Bernard Nathalie. Voilà. Très joli, c'est exactement. Très joli. Sinon, je fais pas que des trucs comme ça. Je fais, aussi des bagnoles. Ah, je sais pas si bien. Ça vous intéresse. Oui, quel genre ? Calendrier des voitures de Bernard Nathalie. Ouais. Je pense qu'on doit être très très bien une fois qu'on est à l'intérieur. Je pense que vous en pensez. Bernard, ça va, Bernard, arrêtez, on voit la voiture, de la voiture. On ne voit pas la voiture. On ne voit pas la voiture. À bientôt, Bernard. Ciao, à bientôt. Oui, donc comment ça va? Django, vous pouvez pas faire ça à tout le monde, ça se fait pas. Ah, je crois qu'il est fan. C'est un grand fan. Je t'aime. Ah, je crois qu'il est fan. Je t'aime. J'ai peur de lui. Bonjour, c'est Émile. Mathieu. Bisous. Daniel. Alors. Non. Pardon. C'était notre émission spéciale. Attention. La scène se passe à la maison. Le facteur entre. Bonjour madame, j'ai un colis pour vous. Attention, il est très lourd. Entrez, jeune homme. Oh, mais dites-moi, c'est un bien gros paquet. J'ai du mal à tenir dans la main. Vous pouvez le garder une minute? Mais bien sûr, surtout qu'il est fragile. Je vais le caler entre mes jambes. Ce sera plus pratique. Ah,
Je peux toucher pour deviner ce qu'il y a à l'intérieur. Mais bien sûr, coquine, allez-y. Ouh, c'est agréable, c'est tout dur. Mais encore, là, c'est juste l'emballage. Vous allez voir une fois que j'aurai ôté le plastique. Bon, fini de jouer maintenant, passons à présent aux chaussettes. Vous savez de quoi j'ai envie? Oui, vous voulez que je vous vende un calendrier? J'en ai de très jolis avec des chats, des poulets ou encore des petits. Tais-toi, prends-moi, grand fou. Pour des raisons évidentes, la scène précédente ne peut être montrée. Bonjour, madame. Je suis le plombier David Gonzo. Je viens pour régler la chaudière. Mais tu fais tout avec la même voix. Absolument. Oh, ben vous tombez bien, je ne sais pas ce qu'elle a. Oh, fait de ces chaleurs ici touchées. Je suis toute fiévreuse. En effet, tu as la limite chaude bouillante, toi. Tu devrais te découvrir un peu pendant que je sors mes outils. Mais dites-moi juste une question. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas été ramonnée, ta cheminée? Ben, ça doit faire 2 minutes. Oh, enfin, je veux dire 2 ans. Ah, je comprends mieux. C'est normal qu'elle monte en température. En plus, je suis sûr qu'elle tire mal. Il doit y avoir le gicleur qui est tout sec. Oh, mais je sens que je suis entre de bonnes mains. Vous savez ce dont j'ai envie? Mais bien sûr, ce que vous voulez, c'est une réduction. Mais c'est impossible, mon patron me... Tais-toi et prends-moi comme une ouvrière. Pour des raisons évidentes d'horaire, la séquence suivante ne peut être montrée. Nico, pense à Alain qui regarde. Pense à ton père qui regarde l'émission. Alors, dans le début de mon fantasme, Elena et Vicky iraient derrière ce rideau que l'on... Ah, je vous en prie, allez-y. Allez-y, alors, je vous attends, en prie pour l'instant. Attention. Dans mon fantasme, Elena décide d'enlever son bustier. Mais Elena ne le fait pas toute seule. Elle demande à sa copine Vicky de l'aider pour le bustier. Oh, est-ce que tu peux m'aider? Voilà. Oh, parce que je n'arrive pas toute seule. Je n'arrive pas toute seule à enlever les petits boutons. Accélère, oh, oui. Le bustier était dur à enlever, mais Elena a quand même enlevé son bustier. Elle a quand même enlevé son bustier. Très bien. Ensuite, Elena décida de rendre l'appareil auprès de Vicky et de lui enlever son bustier blanc. Vicky dit, oh, aide-moi, je n'y arrive pas, c'est très serré dans le dos. Eh oui, les bustiers, c'est plus que c'était de nos jours, c'est très très compliqué à enlever. Pendant qu'elle enlève le bustier de son amie Vicky, Elena décida de me passer le bustier de Vicky et le bustier d'Elena par-dessus pour que je puisse les donner comme prévu à Cartouche. Ah ouais. Mais je vais être obligé d'aller le chercher. Qu'est-ce que... Merci. Très bien, mon fantasme continue. Ça fait longtemps qu'elle ne s'était pas vue, Elena et Vicky. Elena décida de faire un petit bisou à Vicky. Oh, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue depuis cet été. Mouah. Vicky trouvait que Elena avait mal au dos. Vicky décida de lui masser le dos. Vicky massa le dos d'Elena. Non, là, c'est ça, là. Le dos, c'est là. Voilà. Oh, oui, très bien. Eh oui, Vicky était en train de masser le dos d'Elena. Oh, elle massait bien. Elle massait bien. Elle avait très, très mal au dos, Elena. Une très, très dure journée. Et à ce moment-là, la lumière commença à s'éteindre. Parce que dans mon fantasme, on enlevait la lumière du truc derrière. Couper la lumière du machin derrière. Voilà, alors... Dans mon fantasme, il y avait une espèce de musique de fond qui venait. Je faisais une pause parce que j'étais très très excité. J'étais super excité. Voilà. Et la lumière se rallumait. Et à ce moment-là, j'applaudissais Karen et Vicky. Bravo, applaudissez-les. Michel, avant de reprendre les routes de France pour les rues, sur le mot de la fin? Le mot de la fin? Ben, il n'y en a pas. Merci. Oh, c'était bien. Hein. Bon, on a rigolé ou pas? Mon émission. Pistouf. Il y a eu des moments, j'ai failli chialer. Moi, j'ai énormément de rire. Beaucoup d'émotions. Il y a des moments, j'ai failli chialer. Il y a des moments de sexe, j'ai failli avoir des... Il y a des... Oui. J'étais bien. C'est vous avez vu comment j'apprends à danser Robbie Williams? La classe, quand même. La classe. C'est... Quoi, essayez? Il y en a eu des conneries dans cette émission. Bon, en attendant, donc, bah, tiens, j'avais un cadeau pour toi, Mopral. Je voulais te... Cadeau? Ouais. Pour Mopral? Ah ouais, ça me fait plaisir. Cadeau? Attends, je... Cadeau. Dernière fois, quand même, pour... Ah là là. Oh, putain, là. À mon avis, il a cassé, là. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Joyeux Noël, Bonne année. Joyeux Noël de
messieurs, bonne année. C'est un puzzle 3D. Ouais. Joyeux Noël. Bonne année à vous. Portez-vous bien. Au revoir. À très bientôt. C'est important. Au revoir. À bientôt.